Hello la compagnie, coucou, comment allez-vous? J'avais le regard baissé, je regardais les petits stickers que j'avais préparés. Je dis, il n'y a qu'une personne, je vais encore attendre 2 minutes. Et puis je relève les yeux. Bon, déjà, il y a 3 minutes qui se sont écoulées. Et vous êtes cinq, mais enfin, quelle folie pour un truc qui a été où je vous ai prévenu il y a 2 heures, mais vous êtes formidable. Estelle, à mon avis, toi, tu veux pas perdre ton streak là des visionnages. Je sais plus à combien de mois t'es de à combien de visionnages d'affilée tu es, mais c'est fantastique. Donc coucou Laurine, coucou Estelle. Je pense qu'il y en a qui sont peut-être en train de manger ou quoi, ou peut-être en lurk pour le moment, mais n'hésitez pas à venir nous faire coucou et à venir discuter. Ça va bien, merci, merci, merci. J'espère que vous aussi, tout le monde, tous les gens qui sont là à regarder. Franchement, je me faisais la réflexion là avant de commencer le stream. Je faisais un peu mon bilan de ma première semaine de vacances et de comment je me sentais parce que je suis seule à la maison, comme vous le savez. Et je me disais, en fait, je vais bien. Je suis bien, je suis juste heureuse de ma vie et juste bien et je m'embête pas et mentalement, ça va très bien. Parce que souvent, les vacances avec moi, ça passe ou ça casse. Je peux vite me transformer en personne qui est là en mode je suis toute seule, comment il n'y a personne qui m'aime et tout. Et en fait, là, non, non, je me sens aimée, je me sens bien. Donc, c'est trop, trop cool. tout ça pour dire que voilà, je vais bien. Ah, une série de visionnages, j'en suis à 10. Ouais, il me semblait bien que tu étais. Mais je pense que tu es à 11 là, avec celui-là, non? Attends, je vais pas voir la. Ça remonte à. J'ai trop de notifications dans mon. Ah, si. 10 visionnages atteints il y a 4 jours. Donc là, t'es à 11. C'est ton 11e visionnage. Purée. En plus, tu arrives souvent au début, tu quittes rarement avant la fin. Donc franchement, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci de me rejoindre encore ce soir. Parce que oui, je me rends compte, je suis pas productive. Parce que je me fais une liste mentalement chaque jour des trucs que je veux faire. Et en fait, je ne les fais pas. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent, etc. Mais parce que mon bullet journal n'est pas à jour. Il n'y a rien qui s'est passé dedans, là, depuis avril. Et donc, voilà, il n'y a rien. Donc, j'ai déjà préparé mes pages pour revenir sur avril avec vous, vous refaire un petit tour. On va attendre un peu. Mais voilà. Franchement, j'ai vite préparé en vitesse avant des stickers. J'ai tout. Tout est prêt près de moi. C'est le bazar sur mon bureau. À un point, vous n'imaginez même pas, mais j'ai un petit coin pour créer et que vous voyez avec la webcam d'en haut, donc ça devrait être bien. Trop cool, trop cool, trop cool. Et normalement, bah, demain, on se fait un petit read with me au soir, hein, si vous voulez bien. Et on s'en refera un jeudi parce qu'on doit lire la suite de True Story. Regardez, je l'ai mis là. Il est là derrière moi. Oui, il y en a qui sont à fond, mais comme moi, franchement, je suis à fond, c'est difficile de s'arrêter. C'est juste là, je dis, pff, on va arrêter, j'avais pas beaucoup de voix, etc. Bonsoir Steph, bienvenue. Et coucou Akashana, bienvenue tout le monde. C'est trop chouette que vous m'ayez rejoint. Alors, il y en a qui m'ont dit par message privé sur Instagram que vous alliez aussi créer, que vous alliez aussi préparer vos pages, etc. Donc, c'est trop, trop cool. Moi, vous savez, j'essaye quand même d'aller assez vite hein, dans mon bullet journal. Donc, quand je filme pas pour une vidéo YouTube, généralement, ça me prend moins d'une heure de créer mes pages, en toute honnêteté. Bah là, comme vous êtes là et que je vais animer un petit peu le truc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Le stream devrait durer 2 heures au moins. Et quand j'arriverai au bout de la préparation, bon, je sais pas, on verra ce qu'on fait, si on arrête l'heure qu'il est et ainsi de suite. Mais j'ai mon carnet de lecture à mettre à jour parce que j'ai pas fait mon mois d'avril dedans. J'ai préparé le papier que je veux utiliser, mais j'ai rien fait. Donc voilà. D'ailleurs, je vais le mettre là en sécurité en attendant. Et comme vous le savez, je garde pas mal d'exclusivité sur Twitch. Vous êtes au courant de tout. Et donc peut-être que voilà, le carnet de lecture, il n'y a que vous qui le voyez. Il n'est jamais sur Instagram, il n'est jamais sur YouTube. Enfin, si, en vidéo, parfois je le tiens, on voit que je le tiens comme ça et que je le lis, mais c'est tout. C'est tout. C'est vraiment l'exclusivité. Bon, il n'y a rien de spécial non plus dedans, mais. Ah, c'est pas un carnet de lecture de fifou, quoi. Je vais commencer par un peu de rangement avant de me lancer dans le bujo. Trop bien.
Moi, ça va, la maison est plus ou moins bien rangée. Attention. Le chat va beaucoup mieux. Voilà. Le chat. C'est le retour du chat pour les streams. Forcément, forcément. Oh, mais ta patte, elle est... Oh là, elle est plus du tout gonflée, mon chat. C'est trop bien. Trop, trop bien. Donc, il va beaucoup mieux. Donc, il va venir nous embêter et me faire sursauter à chaque fois qu'il saute. Je vais mettre à jour mon reading journal. Ah, trop bien. Mais voilà, peut-être que je le ferai. Peut-être que je ferai ça en fin de stream. Et ça va être, à mon avis, très compliqué de bugeoter avec Nola qui est là. Et Kali, elle s'est mise ailleurs. Elle s'est mise peinard tranquille. Elle a un peu froid, je pense. J'aurais dû lui mettre un petit pull. Comme j'ai coupé le chauffage dans la maison, qu'elle n'a pas beaucoup de poils. Mais donc voilà, pour celles qui s'inquiétaient, sachez que ce monsieur-là, hein, va très bien. Voilà. Il en a un peu marre d'être manipulé par moi tout le temps. Parce que je regarde sa patte. J'avoue que j'ai pas été hyper régulière sur les bains salés pour sa patte, pour faire sortir l'infection de la patte arrière. Parce que j'avais un peu pitié de lui quand même. Il se prenait vraiment beaucoup de trucs et qu'il était sous antibiotiques. Et les antibiotiques font beaucoup de bien et il doit encore en prendre jusqu'à vendredi. Voilà. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais ça, on s'en sort. On s'en sort. La perfusion a bien fonctionné. Pour le chat, il n'a pas eu de perfusion en fait. Il a eu une injection d'antibiotiques dans la cuisse, là, comme ça, par la vétérinaire. Je te dis pas, il était mouiche, comme on dit par chez moi. Il était vraiment pas content. Mais voilà, ça m'avait déjà rassurée. Et le lendemain, j'ai dû lui donner des médicaments. Il l'a pris le lendemain. Le lendemain, j'ai une amie qui est venue, qui a un chat et qui a beaucoup de mal aussi à donner des médicaments à son chat. Et donc, elle m'a montré la technique du burrito. Vous l'enroulez dans un plaid, dans une couverture, et vous forcez en fait à ouvrir sa gueule et mettre le médicament dans le fond de sa gorge. Et ça marche très très bien, parce qu'il se laisse faire. Et donc j'ai voulu recommencer le lendemain avec ma maman, mais elle a eu très peur en fait de qu'il le morde, enfin qu'il la morde, etc. Alors qu'en fait il était là, il était assez calme. Et aujourd'hui j'ai même pas eu besoin de l'enrouler dans la couverture, j'ai réussi à lui prendre comme ça. Je sais pas si vous voyez comment il est. Il se cache. Je vais pas pouvoir le garder comme ça pendant que je crée, malheureusement. Enfin, donc voilà. Vous avez des nouvelles du chat à chaque fois. Je suis désolée si je m'étends un petit peu sur lui. Mais j'étais inquiète. Parce qu'il était vraiment, vraiment pas bien. Et quoi. Et j'en parle à ma famille. Mais bon, ils aiment bien mon chat. Mais ils sont pas aussi accros à mon chat que moi, quoi. Bonsoir, le Bugeaud bruxellois. On vient de commencer. On se demandait comment on allait tous, etc. Apparemment, c'est la forme pour tout le monde. Moi, je disais que j'allais très bien et que le chat va beaucoup mieux aussi. Donc ça, c'est très cool. C'est cool de voir qu'il va bien. Oui, il va continuer à nous embêter en stream. Vous en faites pas. Ce chat va continuer à faire des exploits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, il va beaucoup mieux. Franchement, on est sur la fin. Sa patte est normale et il va dégager là parce que le chien arrive. Il se dit, c'est quoi ce bruit? Je vais aller faire mon concierge. Je vais aller faire Batman. Non, tu dois sauter là, je t'explique. Il va me faire tomber des trucs encore sur moi, je vous dis pas. Ça arrive souvent. Et donc Julie, j'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Ça va être un peu compliqué hein, de bugeoter avec l'autre là. Je vais mettre comme ça, c'est mieux en fait la webcam ainsi. Mais donc bref, on va faire de son mieux. Ça fait plaisir de le revoir sauter sur le bureau. Ça fait plaisir, oui, mais il saute à chaque fois en haut de l'étagère là. Et il saute de là, franchement. Ça fait un petit peu peur. Un petit peu peur. Donc bref, voilà. Voilà ce que je peux dire. Du coup, est-ce que je changerai pas la caméra? Ah non, d'abord. Quelle est l'autrice du mois? Qui est l'autrice du mois? Je vous attends dans le chat, puisque vous savez, c'est... Un mois, une autrice. Donc avant de vous montrer le mois d'avril, de voir comment je l'ai complété, etc. Donc, je rappelle, on a eu Jane Austen.
pour le mois de janvier. Le mois de février, on a eu Sappho, la poétesse grecque de Lesbos. En mars, on a eu Lucy Maud Montgomery. Et en avril, on a eu Robin Hobb. Mais c'était subtil, la référence à Robin Hobb. Fallait savoir que c'était elle. Alors, Estelle, elle nous propose Taylor Swift. Qui est d'accord avec ça? Salut Diana! Salut, salut. Mais Estelle, elle regarde toutes mes stories. Elle est toujours à fond. Oh, merci Diana d'avoir pris un abonnement. Merci pour le sub. Trop gentil. Je sais pas si la petite... mince. J'ai mis ma webcam par-dessus. L'annonce. Ah, mais non, ici, j'ai pas mis d'annonce. Donc, on a eu que la... mince. J'avais pas mis les annonces, les petites animations ici. Mais on a eu quand même le petit... la petite musique. C'est trop gentil. Donc, voilà. Je sais plus où j'en étais, du coup. J'étais distraite par la musique et puis par lui, que vous voyez pas, mais il est là. J'ai pas eu la notification qui avait commencé. C'est vrai? J'ai lancé vers 20h. J'ai lancé tout pile. J'ai commencé il y a 15 minutes tout pile. 15 minutes et 19 secondes. T'es pas la première à me le dire. Il y en a qui ne reçoivent pas les notifications. Je sais pas pourquoi. Moi, à chaque fois que je me connecte, forcément, j'ai la notification. Mais c'est vrai que pour certains créateurs sur Twitch, j'ai la notification et pour d'autres, pas. Donc, je sais pas si c'est moi, si c'est de mon côté que je dois modifier un truc ou si c'est du côté des notifications personnelles sur son téléphone ou quoi. Oui, je regarde pour pas être en retard. Mais ouais, je comprends. Franchement, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Bon, du coup, je disais, je pense que Estelle regardait toutes mes stories. Il y en a beaucoup qui regardent toutes mes stories, mais elle est vraiment là à chaque fois. Et oui, en fait, l'autrice du mois ne sera pas une autrice au sens où on l'entend. Twitch bug parfois pour les notifs. Ouais, clairement. Mais j'ai vérifié, voilà. Oui, t'as bien fait. C'est trop cool, en tout cas. Vous êtes cinq, là. C'est vraiment chouette. Donc, ouais. Ça m'arrive de pas avoir de notification quand ça fait un moment que j'ai pas utilisé mon tel. On dirait qu'il passe en silencieux. Ouais, va savoir. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que c'est ça aussi qui se passe avec moi. Quand je vais pas sur l'application Twitch ou quoi. Tu veux bien pas faire ta toilette sur mon bullet journal, s'il te plaît? Bah oui, non, il n'y a pas de place. Là, je suis occupée. On a fait plein de câlins déjà aujourd'hui. Je vous promets, je ne le torture pas. Il a vraiment fait plein de câlins avec moi depuis dimanche de la semaine passée. Donc, voilà. Bref, je vais passer à la vue d'en haut. Et comme ça, vous verrez le chat aussi d'en haut et à quel point il m'embête. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et bien entendu, voilà. Donc, je voulais vous montrer la vue d'en haut pour vous montrer... mon mois d'avril, voilà, c'est une frange réussite, Nola, hein, et clairement, vous voyez qui va être l'autrice, là. Mets-toi là, mets-toi sur ces feuilles-là, regarde, là, j'en ai pas besoin, vas-y, mets-toi, oh, mais non, arrête, vas-y, mets-toi là, regarde, là, tu seras bien, voilà, aïe, non, me mords pas, comme ça, vous voyez un peu sa blessure aussi. Donc bref, est-ce que vous voyez suffisamment ou est-ce qu'il faut que je recoupe peut-être un peu l'image pour zoomer? Attendez, je modifie en direct, ça va peut-être bugger un peu, là comme ça, ça vous avez pas besoin, ça vous avez besoin parce que c'est le chat. Non, ça un peu trop grand quand même. Hop. Voilà, là je pense que un truc comme ça, on est pas mal. Voilà. Écoute Diana, je pense que tout le monde allait bien. C'est ce qu'on disait. Akashana, elle est en train de faire un peu de rangement, etc. Ça a l'air d'être la grande forme pour tout le monde, malgré le printemps pourri. Bah donc voilà, mon mois d'avril, la couverture a pas changé du tout. Hein. Vous m'aviez vu faire sur Twitch, donc c'est resté hyper simple. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, il y avait rien de superflu, c'était un design assez simple, comparé à mon mois de mars, là, je vous rappelle, où j'avais vraiment tout superposé,
fait beaucoup de collages, etc. On va revenir à un truc avec beaucoup de collages, mais on va faire un mix un peu de mon mois de mars. Collages, stickers, etc. Et noir et blanc, très peu de... Enfin, monochrome, le côté monochrome du mois d'avril. Donc voilà, clairement, mon spread préféré, hein. Non! Non, Nola! Buvez un coup à chaque fois que le chat vient s'asseoir sur le bullet journal. C'est comme ça deviendra un jeu à boire, le stream, ici. Nola! Bouge, viens ici. Viens là! Julie, Julie, tu sais les négociations que tu dois faire avec ton chat. Hein, voilà. Donc, clairement, c'était mon mois préféré, je pense, pour ce dessin. Je m'étais donné sur mon calendrier, qui en fait est la même présentation que d'habitude, hein, mais il y a ces saules qui représentent cette forêt autour de Castelserre. Enfin, voilà quoi. C'est trop, trop bien. Estelle, bois, hein. Préparez votre boisson préférée, c'est pas obligé d'être de l'alcool. Franchement, à chaque fois qu'il vient, à chaque fois que vous le voyez, vous buvez. Alors ici, mon pense intelligent, je l'avais fortement réduit et une ligne par jour, j'ai pas terminé mon mois. Mais le 30, par exemple, je vais punir pour voir compléter parce que je me souviens très bien de ce que j'ai fait. Ok, c'est quoi ce jeu-là? C'est... Non. Et alors là, on passe directement à mes semaines puisque j'avais pas fait beaucoup de préparation sur mon mois. Il y a quelques semaines où je suis venue faire un peu d'enluminure comme ça, mais inspiration enluminure, hein. Et ici, j'ai fait une petite abeille. Regardez. Parce que dans la dernière saga de Robin Hobb avec Fitz, il y a un personnage qui s'appelle Abeille. Ah, le chat s'en va. Vas-y, saute. Oui, il y a la caméra dans le chemin, je sais bien. Alors ici, c'est mon calendrier des contenus. Donc, c'est clairement piqué du bujo bruxellois, hein, comme d'habitude. C'est pour ça qu'il y a un marque-page, d'ailleurs. Alors ici, donc, j'ai ma semaine. J'ai pas effacé mes traces de crayon. Et donc, j'ai refait à nouveau les mêmes journées. Style enluminure, mais vraiment à main levée. Donc, c'est pas peut-être le plus heureux, mais c'est assez organique comme ça. Et ici, donc, j'ai fait un petit carré avec un chapeau de fou, puisqu'il y a un personnage, c'est le fou, dedans. Voilà. Sinon, mes semaines sont extrêmement, extrêmement simples. Ici, par exemple, je n'ai pas décoré, mais j'ai écrit mes trucs. Alors, ici, c'est des pages de préparation. Donc ça, vous n'avez pas besoin de voir. Là, j'ai mon vendredi 26 avril et mon mois se termine là. Donc, ce que je peux faire... Je ne vais pas faire de bilan du mois. Je vais terminer le mois là et je vais commencer directement mon mois ici avec mon autrice. Pourquoi j'ai l'impression... Ah non, c'est... Ah mais j'ai le fil de ma caméra qui passe en fait devant ma lumière. C'est ça l'ombre. Enfin, c'est pas la seule ombre. Je vais pas bouger le fil parce que je vais perdre la connexion, mais voilà. Et donc voilà, mon mois d'avril dans mon bullet journal. Donc Estelle, tu avais vu tous les indices toi en story, hein, mais je vous montre tout ce que je vais utiliser. J'ai été chez Action. Et j'ai pris un nouveau bloc de papier. J'en avais pas besoin, mais quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, il me le faut pour mon mois. Alors, celui-ci, je pense pas que je vais l'utiliser. Ça se voit pas à la caméra. Mais il est en relief. Il y a un petit peu de brillant, etc. Je préfère l'autre en dessous. Je vais plutôt utiliser cette page-là. Et alors, j'ai pris une page. Vous voyez vraiment l'ombre de mon ring light. C'est un espèce de lin tissé, comme ça, effet lin tissé, que je vais aussi utiliser pour mes petits tampons, là, que j'avais gagné grâce au bujo bruxellois d'ailleurs. Trop mignon, il est trop beau. J'espère que vous parlez pas du chat, hein, mais que vous parlez de mon bujo. Mais vous pouvez parler de ça. Alors, sinon, donc j'ai été chez Action et je me suis racheté un set de washi tape. Que j'ai vidé là, mais alors ceux que j'ai sélectionnés que je vais utiliser, c'est probablement ces deux-là. Attendez, j'essaye de bien viser où je dois mettre mes mains. Voilà, vous allez mieux les voir. Il y en a, il y en a un, c'est des timbres comme ça, etc. L'autre, c'est un peu effet journal.
J'ai aussi sorti, j'ai un reste de washi tape qu'on m'avait envoyé de la boutique MP Papeterie. Quand elle m'avait envoyé des stickers, elle m'avait mis 4 washi tape, comme ça j'arrive au bout. Et alors, dans la boîte de washi tape que j'ai acheté chez Action, il y avait ces autocollants-là. Je vais enlever la petite barre de protection. Et heureusement, parce qu'il y en a en fait qui vont m'aider à compléter le truc. Bon, alors, il y a beaucoup de thèmes papillons, comme vous pouvez voir. Moi, j'aime pas trop les papillons. Je sais que c'est un thème que les bugeoteurs aiment bien, mais je suis pas fan de cet insecte. Ça, par exemple, c'est trop rococo, etc. Donc, ça, je vais pas utiliser. Mais ces éléments-là, par exemple, je peux les utiliser. Ici, je pourrais peut-être aussi utiliser ça. Ça, non. Ici, il y a un timbre London. Donc, clairement, je vais l'utiliser. Donc, c'est des petits timbres un peu vintage. Et les petits anges, donc pourquoi pas. Ça, c'est trop rococo. Ça, c'est plus Bridgerton, vous voyez, ça ne va pas. Mais ces illustrations-là, ces autocollants-là, je pourrais les utiliser pour ici. Ça aussi, ces petits bouts de papier-là, comme ça. Ça, clairement, je peux utiliser ça. Je n'ai pas utilisé ces papillons-là, ils sont trop colorés. Les fleurs ici, pourquoi pas. Et les lettres. Voilà, comme ça, vous avez vu. Donc, je vais piocher là-dedans. Et c'est clairement, c'est des stickers que j'ai reçus, ça, clairement, je vais utiliser ça, que j'ai reçu avec donc les washi tape de chez Action. Et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on voit, j'avais pas trop envie de dessiner. Donc, il y a 2 heures, ouais, 2 heures, 2 heures et demie, j'ai préparé sur Canva des planches de stickers. Tadam! Ah, et elles donnent super bien en vidéo. Alors qu'en fait, mon imprimante est à la fin de l'encre, et donc, il y a des petites lignes quand même. On va pas se mentir, on les voit. Donc voilà une première planche de stickers. Alors, j'ai pas bien mis mes petits cadres pour la découpe parce que je les ai découpés avec la machine de découpe. Vous voyez, donc il y a une grosse bordure qui reste, mais franchement, ça va passer. Donc voilà, j'ai aussi été donc sur Canva. J'ai préparé ces grandes illustrations là pour décorer ma page. Ça, clairement, je vais utiliser ça pour ma page de couverture du mois de mai. Et alors là, j'ai foiré ma troisième planche de stickers fait sur Canva. C'est ceux-ci. Ils sont beaux, mais il y a un petit peu trop d'éléments pour ma machine de découpe. Et j'ai pas bien fait mes réglages, j'ai pas bien positionné la feuille sur mon tapis de découpe. Et donc, ben là par exemple, il y a un bord blanc. Vous ne voyez pas parce que c'est blanc sur blanc. Si j'arrête ma lampe, peut-être que vous verrez. Enfin bref, c'est pas super bien découpé, mais je me suis dit par exemple. Sur un vinyle comme ça va être un peu embêtant parce que là, il y a une bordure blanche et là, il n'y a pas. Donc, je pourrais recouper ou encore couper le vinyle en deux pour le déposer à certains endroits. Et donc, ben, voilà, clairement, ce qui m'inspire pour ce mois-ci, c'est Taylor Swift et son dernier album, The Torture Poets Department. Et ben voilà, c'est pas parce que c'est pas une autrice publiée dans un bouquin. Que c'est justement pas une autrice. Donc voilà l'inspiration. Je me suis dit que ça allait être top nickel et que y avait moyen de faire des trop belles choses. En plus, enfin voilà, son dernier album m'a remué le cœur, même si j'allais très très bien. Ouais, ça a été un peu un exutoire. Attendez, je reviens. Parce que vous voyez pas mes expressions. Ça a été un peu un exutoire comme ça, le dernier week-end, l'avant-dernier week-end d'avril, d'écouter ces chansons hyper tristes de ces moments où elle n'allait pas bien mentalement et de le vivre sans que ce soit mes émotions à moi, vous voyez. Et je sais pas, il y avait un côté cathartique à ça, un côté, voilà, on ressent ça à travers la fiction quelque part. Même si je pense que c'est pas de la fiction, que c'est vraiment que ça vient de son cœur, mais qu'elle va beaucoup mieux maintenant, de ce qu'on comprend. Mais voilà, quand j'écoute ses paroles, enfin d'ailleurs, je ne connais pas ses chansons par cœur, alors que je suis fan, que j'écoute sa musique vraiment en boucle très très souvent, j'arrive pas à les apprendre par cœur parce qu'en fait, elle te fait pas des paroles de chansons hyper méga simples, au contraire des grandes stars de la pop actuelle. Donc voilà, je me suis dit que c'était une autrice parfaite pour le mois de mai. Et que, comme je vous ai dit, ça va aller me permettre de combiner les éléments de mars avec tous ces collages, ces stickers, etc. Cette superposition. Et le mois
d'avril qui était très monochrome et ça me permettra de faire une transition dans la couleur pour le mois de juin, comme ça au mois de juin ce sera le retour normalement de la full couleur. Parce qu'il n'y a pas de raison. On va pas se mentir, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Du coup, je regarde un peu le chat. Vous me dites que les stickers, c'est sympa, etc. Ouais. Honnêtement, j'ai fait... Je reviens à l'autre. Honnêtement, ces stickers-là, voilà, c'est des planches de stickers basiques. Mais vu que je maîtrise de mieux en mieux ma machine de découpe, voilà, j'essaye de l'utiliser en fait un petit peu tous les 15 jours maintenant. Et les stickers, je commence à super bien maîtriser. Il y a eu le mariage de ma cousine la semaine passée. Elle m'avait demandé de faire du vinyle, vous voyez, une découpe de vinyle pour son mariage, pour poser sur des panneaux, pour poser sur une boîte aux lettres et tout. Et ça s'est trop bien passé. Et donc, du coup, j'ai envie à fond d'utiliser ma machine de découpe pour tout et n'importe quoi maintenant. Vraiment. Bon, donc du coup, l'inspiration, ça va être de faire un gros collage ici et de mettre beaucoup de... Enfin, déchirer le papier et d'avoir une vague, enfin, un gros morceau de papier là, un gros morceau de papier là. Je suis en train de me dire, j'ai pas de papier craft ici, malheureusement. Ah, mais si, je vais déchirer une enveloppe. Allez. J'ai des enveloppes comme ça, papier craft. Je vais la déchiqueter parce que ça donnera bien, je pense. Bon, alors comme d'habitude, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, les gens. Je rappelle, ça j'aime bien. Parce que ça j'aime bien aussi. Je déchire vraiment n'importe comment. Et donc l'idée, j'aimerais bien... Salut Amina! Salut Nina Moonheart! Bonsoir! J'aimerais bien mettre cette grande image-là. Refaire peut-être... Je vais la coller. Je vais faire un petit montage. Donc il y a un morceau que je vais devoir coller avant. J'espère que tu vas bien. On vient de faire un petit retour de mon mois d'avril dans mon bullet journal. Après l'introduction, bien sûr, de ce stream où on a demandé comment tout le monde allait, etc. J'espère que toi, tu vas bien, que tu es en forme, que c'est l'éclat dans ta vie en ce moment. Moi, c'est pas mal, franchement, ma vie en ce moment. Je suis assez... Enfin, je mesure ma chance. Mince, j'ai encollé alors que c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je vais mettre mon stickers. Alors, il y a des bandes blanches, zut. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas bien fait ça avec ma machine de découpe, donc je dois récupérer un tout petit bord blanc. Là. Essayez de ne pas massacrer mon stickers. J'ai été un petit peu trop rapide. Et j'allais vous dire, ce qui est important, c'est de ne pas trop réfléchir et d'y aller. Parce que sinon, vous hésitez, et puis on fait rien. Et le but du bullet journal, c'est pas non plus que ça prenne 5 heures chaque mois, quoi, j'ai envie de vous dire, à préparer, à faire joli, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, Amina? Oui, ça va, et vous? Hello, hello Sam, bienvenue. C'est trop cool que tu nous rejoignes. Ah, vous allez avoir une pub. Enfin, vous êtes dans la pub, malheureusement. Il y a Bridgerton dans une semaine. Oui, ça va. Ah, c'est déjà dans une semaine. Ça me paraît super loin, Bridgerton. Je suis deg. Franchement, ça aurait été idéal que ça sorte pendant mes congés, mais non. Ce n'est pas sorti pendant mes congés, malheureusement. Et je suis trop dégoûtée. Je vais peut-être faire un... Ouh, tu m'as fait peur. Je savais que tu descendais, mais... Pas aussi vite, quoi, Nono. Je vous rappelle, à chaque fois que vous voyez le chat, vous buvez. Hein. Vous buvez du thé, vous buvez du café, vous buvez de l'eau pétillante, vous buvez de l'alcool, mais vous buvez. Ah là 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 là.
Oui, Diana, c'est Diana. Tu m'avais demandé mon avis sur la liseuse couleur après presque une semaine, je suis comblée. Ah, trop bien, Sam. J'ai failli te recontacter, je t'avoue. Franchement. Est-ce que t'as pris la Libra ou la Aura? Pour bien me dégoûter. Si c'est la Libra, je vais peut-être craquer, franchement. Mais tu l'as peut-être déjà revendue, en vrai. T'as peut-être déjà retrouvé. Oh, le chat, arrête de me faire stresser comme ça. On va être pompette. Mais vous pouvez boire de l'eau, hein, franchement. Buvez de l'eau, hein. Buvez un truc bon pour la santé, quoi. Hein. Regarde là, je vais fermer. Bon, on vient de commencer, il y en a déjà partout. Partout. Partout Tatis ici. Là. J'avais un doute, je te trouvais pas, MDR. Attends, c'est qui dit ça? Parce que j'arrive pas à lire dans le chat. Nina. J'ai pris la Libra, je voulais essayer une liseuse à boutons et je regrette de m'être toujours dit que les boutons servaient à rien. Eh bien, écoute, j'étais comme toi avant également. Et depuis que j'ai ma liseuse à boutons, je trouve ça absolument excellent. Je regrette pas du tout. Franchement, et clairement, si je reprends une liseuse, je reprends une à boutons. On va pas se mentir et je ne tergiverserai pas. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que j'ai bien prononcé le truc? Je ne sais pas. Au final, je l'ai offert à mon copain pour son anniversaire. Il voulait me racheter mon ancienne. Donc on a fait un deal qu'il me payait une partie du pack liseuse stylet housse et le reste c'est pour son anniversaire. Ah oh, trop bien. Depuis que je l'ai, j'ai envie de lire dès que je peux. Trop bien. Franchement, quand je vois les publicités pour cette liseuse en couleur, voilà, je me dis que la mienne fonctionne encore. Mais c'est dur. Mais c'est très très dur. À mon avis, je me l'offrirai quand les gens vont la revendre en occasion. J'essaierai de tenir jusque-là. Je sais pas si j'y arriverai, mais bon. En vrai, c'est trop pratique une liseuse. Et franchement, à boutons. Et moi, en plus, j'ai mon kit de paresseuse là. Hein. Les filles le savent. Mais j'ai une télécommande pour ma liseuse. Meilleur truc que j'ai pu acheter. Franchement. Franchement, j'aime trop. Et là, et tous les soirs, j'utilise cette télécommande, hein, je tiens à vous le dire, dans mon lit. Tous les soirs. Avec un petit trépied. Et je suis trop bien. Alors, le truc avec les tampons, c'est que tu passes ton temps à chercher tes lettres. Parce que ceux-là sont un petit peu trop petits. Si je peux vous conseiller, si vous voulez vous acheter des tampons, n'achetez pas des 1 cm sur 1 cm. En tout cas, moi, pour mes gros doigts, c'est trop petit. Non, moi, je voudrais un... Mais le M, je l'ai déjà. Ah non, j'avais pris le W. Non, ça, c'est le W. Le I, je l'ai déjà. Ça, c'est le L. Le A est demandé à l'accueil. Oh, purée. Attendez, je vais mettre ceux que j'ai fait là. Ah, il est là, il est là. Ok. Du coup, et ils sont même pour ici, pour tout ce que je veux faire, ils sont un petit peu trop petits, mes tampons en vrai. Mais c'est déjà très bien. Julie, bien entendu, je critique un peu ton cadeau. Excuse-moi. Mais vous voyez, c'est un peu trop petit. Mais voilà, ça c'est fait.
Clairement, je vais pas faire ça pour chaque jour, hein, parce que ça prendrait trop de temps. J'avais dit que j'utiliserais les lettres qui sont là, mais en fait, pourquoi faire? Je ne sais pas. Attendez, d'abord, on va mettre un peu de washi. Hein. J'ai trop de trucs, je sais pas dans quel sens aller. D'un côté, ce washi tape là, il est bien parce que c'est... Oui, il y en aura pas. Ok, ouais. Donc, je vais pas utiliser, j'ai à peine un tour. Donc on va utiliser plutôt celui-là. Et on va le déchirer. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Donc, depuis que je l'ai, j'ai envie de lire dès que je peux. Clairement. Il y a beaucoup de personnes qui passent de la Kindle à Kobo, donc je pense que ceux-là, quand la Kindle couleur va sortir, ils revendront leur Kobo pour revenir sur Kindle. Ah, clairement. Clairement, c'est peut-être bien. Clairement. On lui dira rien pourquoi, Diana. Et prendre des tampons transparents, c'est plus simple. Et du coup, c'est quoi le thème de mai? C'est qui demande ça? Ah, c'est Nina. Alors, c'est parce que t'as pas vu la première planche de stickers, là, que je me suis créée sur Canva hyper rapidement avant le stream. Tadam! Alors, l'autrice du mois, c'est Taylor Swift, puisque dans mon bullet journal, pour ceux qui n'ont pas vu sur YouTube, je fais une autrice par mois. Et son dernier album, qu'on entend partout, en tout cas que moi j'écoute en boucle, m'a fait une forte, forte impression. J'adore cette meuf. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que c'est de la musique que c'est pas de la littérature, vous voyez? Et donc, j'ai eu envie, très clairement, de la mettre à l'honneur dans mon bullet journal. Parce que les autres autrices que j'avais en tête, elles étaient chouettes, hein. Franchement, ça aurait été top. Mais c'était un petit peu plus... Allez, comment je vais dire ça? Un petit peu plus poche. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus snob comme ça. Donc voilà, Taylor Swift, c'est quand même vachement plus... Elle est quand même vachement plus accessible. Alors, je vais mettre ces Easter eggs là, tiens. Là. On va se mettre un petit 13, hein, puisque c'est le chiffre de Taylor Swift. Qu'elle nous met partout. Mettre un petit 1989 quelque part. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? J'aime bien charger, hein, comme vous le savez. Donc on va charger un petit coup. Là. Ça me semble déjà pas mal, ça. Là. Oh, je sais ce que je vais faire. Mince, j'ai pas le papier qu'il me faut pour faire ça. Si, j'ai le papier là. Bon, je découpe à la one again. Regardez, on va. Oh, c'est pas du tout droit, enfin, Mag. Yops. Hops, hops, hops. Alors. Donc, Taylor Swift, voilà. Et tu vas au concert sur Paris. Alors, non, je ne vais pas au concert sur Paris. Parce que les petits amis, j'ai pas eu les places. J'ai pas du tout eu les places. Et donc ça a été un gros déchirement de pas avoir les places. On va pas se mentir. Mais j'ai un chouette truc à vous annoncer. Par contre, je vais aller à un concert. Mais Mag, il y a des reventes sur Ticketmaster. Alors, attendez, je reviens là comme ça parce que comme ça vous me voyez. Et puis je vais continuer ma page. Donc Taylor Swift, hein, puisque c'est pas parce qu'elle n'est pas publiée que c'est pas une autrice, comme je l'ai déjà dit trois fois, je crois. Il va falloir que je trouve une autre formulation. Donc, écoutez bien, comme ça vous avez tout. Ouais. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire sur Instagram. Je sais plus. Pour celles qui suivent sur Instagram, je suis désolée, vous allez avoir la redite. Donc, quand Ticketmaster a fait son tirage au sort, là, il fallait s'inscrire pour pouvoir être tiré au sort, pour pouvoir acheter les billets, mais sans aucune assurance au concert. C'était
toute une histoire. Je dis à ma meilleure amie, avec qui on fait les concerts à chaque fois, je dis, on n'aura jamais les places pour Paris. C'est mort. Et en regardant en fait la tournée européenne, ça tombe mal pour nous parce qu'on est enseignante. Et donc oui, Paris, c'est pas très très loin, mais c'est au mois de mai, je pense, c'est ça, hein? Donc c'est bientôt. Enfin, ça tombait pas bien. Londres, ça tombait pas bien non plus. On était en plein, ça tombait en plein dans nos examens pour les élèves et tout. Et alors, on peut pas prendre congé, quoi. Donc clairement, ça n'allait pas. Donc je dis à ma meilleure amie, écoute, j'ai regardé les dates en août et en juillet. Elle est à Varsovie et elle est à Vienne. Donc on va essayer de s'inscrire pour celle-là. Donc on s'est inscrit en fait pour ces deux dates-là. Chacune de son côté, en espérant qu'il y en ait au moins une qui soit tirée au sort, qui puisse être dans la file d'attente pour avoir les tickets. Et on s'était dit, ben, ça nous fera un city trip, quoi. Varsovie, on n'a jamais été, ça peut être beau. Vienne, depuis qu'il y a les trains de nuit qui sont rétablis entre Bruxelles et Vienne, ça fait plusieurs mois qu'on dit on serait bien un city trip à Vienne. Mais malheureusement, on n'a pas été tiré au sort. Voilà. Donc, j'ai fait une croix dessus. Et c'était dur, c'était dur. Donc voilà. Surtout que ben, j'écoutais de plus en plus ses albums. En fait, je suis devenue plus fan depuis l'annonce de sa tournée. Donc vraiment, j'étais vraiment déçue. Mais je me dis, ben voilà, ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Surtout que j'étais déçue parce que j'avais eu des tickets pour elle, pour son concert en Belgique en 2019. J'avais réussi à avoir deux tickets. Mais vraiment, la chance du débutant, quoi. Vraiment, c'était mon opérateur téléphonique qui m'avait fait une offre promotionnelle pour deux tickets plus des tickets boissons à Werther. J'étais donc trop dégoûtée parce qu'il y a eu le Covid et donc le concert a été annulé et il n'a jamais été réintégré, quoi. Donc voilà. Donc arrive le mois de décembre et vous savez, il y a ces trucs Spotify, ces bilans Spotify que tu peux partager en story avec tes amis de qui tu as le plus écouté, quel genre tu as le plus écouté, etc. Clairement, ces stories ne servent à rien, mais on les partage tous. Et donc j'en partage une en me disant ça sert à rien, c'est pas du contenu qui vous intéresse. Mais bon voilà, je partage. Je partage comme quoi l'artiste que j'ai le plus écouté en 2023, c'était Lord Swift. Et là, c'est une connaissance. C'est une copine, mais c'est une connaissance de mes études avec qui j'ai coté. Alors, coté, ça ne vous dit rien pour vous les Français. Donc, quand on va faire des études en Belgique, on prend un cote. Et un cote, c'est une chambre d'étudiants. Et donc, on dit qu'on a des cocoteurs. C'est les gens avec qui on habite, quoi. Voilà, donc j'avais cette cocoteuse qui avait fait droit et on s'était fréquenté la première année d'études de chacune, quoi. Mais c'était tout. Et depuis, elle est abonnée à mon compte Instagram, on discute de temps en temps, mais on n'est pas proche, vous voyez. Elle vient pas sur mes streams, elle commande de temps en temps mes stories, etc. On se demande comment ça va et tout. On s'est revus une fois il y a 2 ans, parce qu'elle passait près de chez moi et que je devais lui remettre des trucs, mais voilà, quoi. C'est pas une meuf avec qui je discute plus avec vous, vous voyez, qu'avec elle. Et elle me dit... Je savais pas que tu étais fan de Taylor Swift. Et je dis, si, j'adore. Je dis, mais moi aussi. Je dis, oh, c'est trop bien. Et je commence à m'emballer, moi, à dire, voilà, j'adore trop pour ceci, pour cela et tout. Et elle dit, mais je sais pas, t'as eu ta place pour le concert? Je dis, ben non, j'ai pas eu ma place. Et là, elle me répond, écoute, je suis un peu gênée de te dire ça. Je sais que c'est bizarre, mais voilà, je me suis pris une place. Et j'ai pris une place en plus en me disant que j'allais trouver quelqu'un pour venir avec moi. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et moi, je suis, mais là, je suis comme ça devant mon Instagram, devant ma message privé, je suis là. Attends, elle est en train de me proposer ce que je crois qu'elle est en train de me proposer. Et donc, je vais voir Taylor Swift à Amsterdam, parce que cette copine avait pris une place en plus. En plus, elle a pris des tickets VIP, les gars. Donc, je pense qu'on va être bien mise de ce que j'ai cru comprendre. Et en plus de ça, elle avait déjà réservé l'hôtel à Amsterdam. Donc, je dois m'occuper de rien. Donc, voilà. Dinguerie, en effet, Sam. C'est trop bien. C'est trop bien. Elle est trop gentille. C'est trop chouette. Et alors, on échange beaucoup plus. Et je lui renvoie à chaque fois que je vois des trucs de Taylor Swift, etc. Et elle me disait, je suis vraiment trop contente de faire un concert comme ça avec toi. Je dis, mais moi aussi, je suis trop contente, quoi. Et c'est en VIP. Alors par contre, ça me coûte des vacances. Hein. Clairement, c'est un budget vacances. Donc quand les gens me demandent, tu vas en vacances cette année? Moi, je dis, je vais voir Taylor Swift à Amsterdam. Quoi. C'est ça, mes vacances, c'est 3 jours. Voilà. Ah, mais ça va être bien, ça va être bien. Tu posteras tout ça en story, je vais essayer, franchement, avant nous du rêve. Du coup, j'ai été chez Action.
Parce que j'ai acheté, quoi. Hein. Voilà. J'ai acheté un kit pour faire des friendship bracelets. Faudra que je les fasse avec vous en stream ou quoi, je sais pas. Bon, on a dit avec cette copine, avec Élise, qu'on a essayé de se voir pour faire des friendship bracelets. Donc, je lui ai dit, j'ai acheté un kit, justement. Donc voilà, on va en faire. Ça vient de chez Action. Ça coûtait rien. Ça coûtait 2 euros, quoi. Et il y avait différents thèmes. Il y avait plus rose, plus... noir et blanc, etc. Moi, j'ai quand même pris coloré. Je me suis dit que du orange, parce que c'était Amsterdam, c'était absolument nécessaire. Donc voilà. Je ne les ai pas encore ouvertes. Mais donc voilà. Comme ça, vous avez eu toute la story. Je vous dis, vous avez des exclusivités, vous, sur Twitch. Attendez, parce que le chat, il s'affole. Moi, il est là. Vends-nous du rêve. Clairement, je vais vendre du rêve. Alors, en plus, cette meuf, elle est à fond. Hein. Elle est à fond parce que... Parce qu'elle me dit, elle me disait déjà, donc, en janvier, comment tu vas t'habiller pour aller au concert ? Et moi, j'étais là, c'est au mois de juillet. Un peu se calmer. Elle dit, c'est quoi ta tenue pour le concert ? Le truc que je fais jamais, quoi. Mais je vais, si, je vais bien m'habiller pour aller voir Taylor Swift. Alors, Amina nous dit, je dis ça, mais je flippe le jour où BTS, où les BTS vont annoncer leur World Tour, s'ils font comme Taylor Swift à fond. Mais je pense que ça va être aussi dingue que Taylor Swift leur truc. Parce que là, en plus, ils sont pas là, quoi. Hein. Je suis trop contente pour toi. Oh, c'est gentil, vous êtes tout mimes. Vous êtes tout mimes. T'en fais un pour chaque sub, comme ça, on vient avec toi d'une manière ou d'une autre. Oh, c'est une bonne idée, ça, Sam. Oh, du coup, ça plairait aux gens, ça. Parce que moi, c'est des trucs, je me dis pas, tu vois, j'ai pas le truc comme ça, que c'est des choses qui vont plaire aux gens sur Twitch. C'est trop bien. Attendez, je vous remets l'autre caméra, parce que j'avance pas, moi, ici. Franchement, j'adorerais faire ça. Mais dites-moi si vous voulez que j'en fasse pour tous les subs que j'ai, qui sont à quoi, 4, là. Alors, sur ma petite carte, ici, que je vais glisser, là, comme ça, je vais mettre « The Chairman ». Alors, j'ai besoin de ça, j'ai besoin du I, j'ai besoin du M. J'ai perdu mon A depuis tantôt, me demandez pas pourquoi. Hein. Pff, ils sont vraiment trop petits, mais... Mes trucs... Ah bon, alors, j'ai déjà le T, j'ai déjà le E. Alors, un petit H, ce serait génial. Est-ce qu'on va trouver le H, est-ce que vous pensez? Mais franchement, c'est une trop bonne idée, hein, Sam. C'est pas une critique, c'est juste que moi, en fait, sur Twitch... J'ai pas les codes, même si ça fait un an que je stream. Et donc, les filles, elles sont contentes depuis que j'ai mis les récompenses de chaîne. Alors que pour moi, c'était un truc... voilà, je sais que depuis un an, on me réclame aussi des emotes. Et je suis désolée, hein, j'arrive pas à me pencher dessus parce que je comprends pas l'intérêt. Alors, je suis sûre que c'est génial, mais j'ai du mal à voir le truc. Vous savez quoi, je vais demander à ma cousine de me faire des emotes. Tant qu'ancienne graphiste, elle devrait savoir faire ça, non? Bon, alors, j'ai encore besoin de ça. Le T, normalement, non pas. J'espère que je les espace bien, là, parce que je calcule rien du tout. Ah oui, il me fallait le A. Il est là. Attendez, toutes mes lettres sont travioles. Alors, il me faut un R. Est-ce que je vais trouver mon R? That is the question. Le R, demander à l'accueil. Attends, je vais vous montrer. Si vous le voyez, envoyez-moi un whiz. Ce serait cool, franchement, s'il y avait des whiz ici sur... Le N, ça, j'en aurais besoin. Moi, je suis pour qu'on remette des whiz, franchement, sur les conversations et tout. Hop. J'aurai pas la place pour tout mettre. J'ai perdu mon M. Ok. The chair. J'ai utilisé le A juste avant, voilà. Voilà. Ça va être tout pile. Tadam! Bon, c'est à ça qu'on revoit que c'est plus ma papote qui l'a fait, voyez-vous. Il n'y a rien qui est droit. C'est pas super bien fait.
Savez ce que je vais faire? Je vais mettre derrière. Pour le renforcer, je vais mettre du washi tape derrière. Là. Qu'est-ce que vous me dites? Parce que le A est caché dans mon prénom. Et franchement, c'est juste Pipou des emotes. À fond, c'est. Ben voilà, vous vous lancez dans les emotes. À fond, à fond. Mais franchement, voilà, mais j'arrive pas à me décider, quoi. Est-ce que je dois vous faire des chats? Parce que le chat, il vient tout le temps. Mais si je fais un chat, il faut que je fasse un chien aussi. Parce que bon. Kali, elle est là aussi. Hein. Vous la voyez pas, mais. Mais elle est tout le temps là à mes pieds pour les streams. On va pas rajouter une troisième webcam pour vous la montrer, hein, parce que bon. Vous savez vous-même que l'ordinateur ici. D'ailleurs, il commence à décoller. Je ne sais pas si vous l'entendez. Un petit coup. Donc, the chairman, comme ça. C'était bien d'avoir des lignes sur ce truc, mais j'ai pas de papier ligné. Ah, mais attendez, je vais mettre ça. On a des petits carreaux. Hop. Je suis pas mis droit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, et on va lui mettre un petit timbre. Il y a un petit timbre qui s'appelle. Ah, je vais lui mettre la couronne là. C'est dans les tons bleus, c'est peut-être pas trop ça, mais. Ça va marcher. Voilà. Je sais pas si ça apporte quelque chose, mais pour moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, voilà. Attendez, si je coupe. Il est où mon interrupteur? Il est là. Si je coupe ma lumière, est-ce que vous voyez mieux ou pas? Non. On voit pas mieux. Si je mets la lumière blanche. J'aime pas cette lumière blanche, mais bon, pourquoi pas. Tadam! Voilà ma page de couverture. Comme d'habitude, je prendrai des photos et je vous les mettrai sur Instagram, quoi. Sur Mangla, en plus, je vous ferai un petit réel. Mais un petit réel rapide, sans. Pas non plus 36 000 trucs. Mais bref, j'ai ma page de garde. J'avais envie de mettre un autre truc, mais je sais pas quoi. Cédric, ah, mais ça. Mais je les ai fait trop grands, mais. Vous voyez, mes autocollants de Torture Poet Department. Et puis, je suis pas arrivée à les découper correctement. On note que je peux le mettre là, en fait. Ouais, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça. Je sais pas si c'était absolument nécessaire, mais. Ça me plaît bien. Du coup, une fois qu'on a fait ça, moi je suis prête hein, pour moi généralement. J'ai juste besoin donc de faire ma page calendrier. Et là, il y aura mes objectifs et mon tracker. C'est ça, hein? Attendez. Donc le mois précédent, il était un peu spécial, le mois d'avril. Tracker et objectif. Ouais, je vais refaire la même chose. Par contre, est-ce que je vais beaucoup décorer? I don't know. Aussi, je vais peut-être quand même mettre du papier là, comme ça ou quoi, non? Ou en coin ainsi. Voilà, je vais faire ça. Il est où mon papier craft? Vous le voyez pas, vous, le papier craft? I've lost it. Le papier craft est demandé à la queue. Mais purée, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai pas tout utilisé. Oh, j'aime pas. Ah voilà, il est là. Pardon, j'ai un.
bah, si je fais un truc comme ça, en fait je fais comme ça, comme ça. Non, j'aime pas trop. Je sais pas, à chaque fois je vois des gens qui font des beaux trucs là comme ça, de découpe et ainsi de suite. Moi je sais jamais comment coller mes papiers pour que ça rentre bien. Je sais pas comment ils font les gens. Après je devrais peut-être prendre des plus grands, hein. C'est peut-être ça. Trop beau, merci. Bonsoir à tous, je passe un peu en coupable, en coup de vent malheureusement. Pas de soucis, armoire à lire, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas discuté. J'espère que ça roule et que tu profites du congé. Ça, j'ai plus besoin non plus. J'en ai partout, les gars. Je sais pas comment je m'organise pour mes plans with me. Pour ceux qui sont en train de faire le reading journal ou leur mise en place au mois de mai, dites-moi s'il vous plaît que je ne suis pas la seule. Ça me rassurera un petit coup. Alors, problème de gauchère, il faut couper. Ah mon Dieu, je sais jamais. Vous allez me dire, mais enfin, je te vois pas faire de la main gauche depuis tout à l'heure. Donc j'écris de la main droite. Mais je ne sais pas couper de la main droite. Il faut que je le fasse de la main gauche. Et c'est vachement compliqué. Là. Bon, je l'aurais tourné dans tous les sens, mon bugeot, pour juste couper un tout petit bout de papier. Voilà. Yop là. Ça comme ça, c'est fait. Je vais peut-être prendre un morceau plus grand, je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, ou comme ça. Comme ça, sous forme de washi, ça peut être beau, ça. Enfin, ça peut être beau, je comprends, hein. C'est pas non plus sur l'œuvre d'art du siècle, bien sûr. Il faut que je me laisse de la place, je dois décorer, mais il faut surtout que je me laisse de la place pour noter mon planning du mois de mai, même si on est déjà au... On est quel jour? On est déjà le 6. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais prendre mon Pigma Micron 04. Et alors, je fais toujours à l'œil, moi, pour ça. Je commence pas à mesurer, etc. Je me dis, là, c'est plus ou moins le milieu. Donc, je commence à écrire les dates. Et il y a 31 jours au mois de mai. Oui. Et donc là, on est le lundi 6. Donc dimanche 5, samedi 4. Le 3, c'était vendredi, jeudi, mercredi. Ok, c'est juste. Voilà. Je te rassure, je mets le bazar aussi quand je fais mon reading journal. Mais franchement. Et quand tu fais ton bullet journal, c'est aussi le bazar ou pas? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Attendez, je parle pour moi. Je note juste mes jours et puis après, je suis à vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'espère que je ne me suis pas plantée. Parce que sinon... Non, j'ai pas besoin. On est dans l'embarras. Ouya. Alors. En fait, j'ai fait mes stickers de vinyle, ils sont un peu trop grands. Vous voyez, j'ai fait des beaux stickers là, mais
Peut-être pour mes semaines, je sais pas. I don't know. Bon, on va quand même mettre une petite. Une petite typewriter quand même. Là, on va remettre un vinyle. Et sinon, on va aller voir dans les petits trucs ici ce que je peux utiliser. Ah, mais je vais mettre la petite horloge là. Ça, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un dernier petit truc romantique que je peux utiliser? Les papillons, c'est trop coloré, hein. Petite fleur. I don't know. Non, on va plutôt utiliser les stamps. Ici aussi, j'ai des. Il y a des timbres en fait. Ah oui, c'est les mêmes. On va faire comme ça hein, en attendant. Je sais pas si je fais bien, mais pourquoi pas. Ça. Ça me semble pas mal. J'ai pas de bullet journal. Ah, mais j'étais persuadée. Non, c'est vrai, c'est ton reading journal que tu m'envoies. Tu peux recouper, je pense, c'est pas grave. Ouais, il va falloir que je fasse. Voilà, je vais les utiliser pour mes semaines, ça c'est aussi possible. Ce qui serait bien, c'est que je mette là planning avec mes tampons. Donc, on va reprendre le noir. Et on est reparti pour la fouille. Oui, c'est pour ça que j'utilise pas. Mes trucs, très souvent, c'est parce que je passe un temps dingue à chercher. Bon, alors P. Il me faut le L et le I. Attends, j'ai P. Le N. Alors, il me faut le G et le L. Le L, G. Bon, alors le G. Viens tout de suite, le petit G. Traîne pas. Ben, ah, voilà. Ok. Donc, on est reparti pour un petit peu de tamponnade. Ce serait bien que j'essaye de le faire les plus droit possible, mais j'y arrive pas. Même quand je m'applique, j'arrive pas à les faire bien droit. Je répète, si vous savez vous acheter des tampons plus grands que 1 cm sur 1 cm, faites-vous plaisir. Parce que, un, c'est difficile de trouver donc parmi tous les tampons ce que vous avez, de les manipuler. Et puis, je trouve que c'est un peu trop petit. Pour le bullet journal, vous voyez là, pour une page A5. C'est un peu petit. Donc voilà, planning, c'est fait. Jusqu'à la prochaine fois, je les remets de côté. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de noter en fait tout ce que j'ai prévu dans le mois. Et alors, pour mettre un peu les mois en avant, en évidence, je vais prendre. Voilà, un brush pen et colline. Et je vais faire la démarcation de semaine comme ça. Je trace une ligne après chaque dimanche. Comme ça, je vais avoir 4 ou 5 sections. Oula, j'étais pas droite.
Là. Là. Alors, je vais vous montrer. Je fais jamais ça d'habitude en vidéo. Mais ce que je fais une fois que j'ai fini de terminer, c'est je vais voir mon planning de annuel. Là, voilà. Et donc, je reprends de mon futur log tout ce que je dois mettre, en fait, ici. Vous voyez? De mai, Serre de la Queue, c'est passé, donc je ne vais pas le mettre. Le 7, j'ai des anniversaires. Donc, pour les anniversaires, je fais un petit cœur. Et alors, je connais deux personnes qui ont leur anniversaire le même jour. Là. Ça, c'est ma partie privée. C'est pour ça que j'ai recouvert, etc. Parce que généralement, j'ai pas grand-chose à mettre. Et là, c'est ma partie professionnelle. Donc, par exemple, le 17, je vais avoir les TLP plus les matchs de fin d'année de mini-foot des élèves. Et donc, je dois le noter dans mon bullet journal parce que même si je l'ai noté dans mon journal de classe, ben, je tiens ça à l'œil et j'ai une vision en fait de dire ah oui, ce jour-là, c'est une journée un peu spéciale à l'école. Et ça me permet dans mon organisation de savoir que je dois peut-être pas m'habiller de façon aussi formelle, je dois peut-être mettre une tenue un petit peu plus confortable, par exemple si on a un voyage et des choses dans le genre. Et alors là, par exemple, le 8, non, c'est le 15, le 8 c'est cette semaine. Le 15, c'est notre journée langue avec les profs, avec les collègues. Et donc c'est la journée, qu'est-ce qu'il dit? Pour le moment, c'est tout ce que je dois noter dedans, du côté pro, je pense. Et du côté, et là. Là, je mets un petit cercle. Là, je vais au que 9. Ça aussi, normalement, je devrais vous faire des belles stories parce que je vais aux Pays-Bas samedi. Donc voilà, c'est tout ce que je vais noter, je pense, pour ce mois-ci. Donc mon planning, il est fait. Là, je pensais mettre mes objectifs et mes trackers, mais en fait, je vais plutôt mettre mon pense intelligent ici. Je vais faire ça. Et pour le pense intelligent, j'ai envie de mettre un gros stickers. Attends, mais si je colle ça là. Ouais, ça peut être pas mal. On va recouper là parce que c'est le bord de la page de toute façon. Donc ça peut être droit. Je sais pas comment je vais l'écrire, le pense intelligent. Ce serait peut-être bien de pas tout le temps utiliser mes tampons pour les titres parce que ça prend du temps et que c'est petit. Le mets là ou je le mets... Non, je le mets là. Là, comme ça. Donc, je vais décorer plutôt le bas. Je pourrais la mettre, elle. Je dis rien parce que je me concentre pour découper ma petite bande là, pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Oh mince, j'aurais dû la mettre là comme ça. Du coup, il faut que je la recoupe. Ouh, je fais des choses dangereuses, les gens. Je fais vraiment des choses dangereuses. Et mon problème, c'est que je n'ai pas de vision claire de ce que je veux faire. J'y vais au petit bonheur, la chance. Bon, le souci, c'est que le petit bonheur, la chance, c'est pas toujours heureux, quoi. C'est pas toujours ça, hein. Alors, j'ai pas envie du petit papillon. On n'est pas dans un thème papillon, donc on va un peu enlever ça. Oh, je sais pas. On va comme ça. Hop. Alors, je vais remettre une machine à écrire
qui a un peu mal, qui a un peu mal été découpé, hein, très clairement. Mais ça le fait. Enfin, ça le fait. On se comprend. Là, il y a un petit peu trop de blanc, donc on va hop, redéchirer le papier. Si j'arrive à coller ça là comme ça. Non, mais oula. Là, comme ça. Faut que j'arrête de dire là comme ça. Franchement, dans mon collage, je sais pas si je fais ça bien. Moi, ça me plaît. Il y a sûrement moyen d'être. De faire des trucs beaucoup plus jolis que ce que je fais. Mais écoutez. Tant que ça convient. Je vais remettre son image là, comme ça, en haut. Ouais, je vais remettre sa photo là. Et je vais écrire pense intelligent à côté. Et comme ça, on aura les deux. Je vais prendre mon brush pen Unipin. Et je vais refaire un 13 en chiffre romain, là, comme ça. En brun. Hop. C'est pas la meilleure calligraphie du monde, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Là. Et je pense que je vais mettre ici, pensée intelligente, je vais l'écrire en brun. Toujours avec mon brush pen. C'est en vrai ce qui aurait pu être bien là pour le pense intelligent. Coller une enveloppe. Ah non, ça va aller comme ça. Et comme c'est vide là au milieu, ce que je vais faire, je vais prendre toujours le même écoline. Je vais passer là comme ça. J'aurais pu prendre gris aussi. Mais comme j'ai fait monochrome le mois précédent, c'est bien. C'est bien que ça change un peu. Et j'aurais pu le faire avant. Mais voilà, j'avais pas l'idée avant. Voilà, comme ça remplit et je sais écrire des choses pour mon moi, pour mon pense intelligent. Ah, ça va être trop beau les champs de tulipes. Oui, ça va être trop beau. J'espère que je vais me motiver à prendre des bouquins avec moi pour vous faire des photos Instagram. Mais on verra. On verra, on verra. Alors, j'aimerais bien mettre cette illustration là comme ça. Si, en fait, je pense que je vais refaire un tracker comme je faisais avant. Vous voyez? Là, je vais faire mes objectifs, enfin, où je vais faire mon tracker sur les deux pages, un tableau, sous forme de tableau. Là, je vais peut-être coller en dessous du tracker cette image-là, décorée. Et là, j'aurai mes objectifs. Ouais, je vais faire ça. Alors, il faut d'abord que je visualise mon tracker. Donc, on est reparti pour réécrire 4, 2, 3, 4. Là, ça devrait bien tomber. Pour réécrire mes dates. Mais en plus, c'est à l'envers. Donc, enfin, c'est compte à rebours, vous voyez, 31, 30, etc. Donc, il faut que je me concentre. Donc, là, je ne parle plus. Je reviens dans 30 secondes, 45 secondes, le temps d'écrire tout sans me tromper.
Ok. Alors, je crois que je vais prendre mon petit truc là pour faire un peu la ligne, la démarcation. Je fais jamais ça d'habitude, mais je pense que ce sera un peu mieux. Alors, généralement, je traque cette habitude. Cette habitude, c'est déjà beaucoup. 2, 3, 4. 5, 6, 7, allez, je vais mettre 8, mais à mon avis, je n'en ferai que 6 d'habitude à traquer. Je vais les choisir une fois que j'aurai choisi mes objectifs. Il est temps, hein, j'ai envie de vous dire le. Le 6. Ah, j'ai pas été assez loin. Voilà, c'est pas du tout droit à la fin. Bon, c'est pas grave, ça passe. Voilà. Du coup, on va reprendre là et faire 1, 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi je dis 3-4 parce que je fais que 3 objectifs par mois. Franchement, c'est déjà bien, bien, bien assez, en toute honnêteté. Et oui, bon, on va coller du papier. Je pense qu'on va coller ça là comme ça. Et coller du papier là comme ça. Ah zut, ça se superpose pas bien. On va faire comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Là comme ça. Et là je vais mettre ma grosse image. Oui. Je réfléchis à voix haute, hein. À mon avis, ça doit pas être le stream le plus agréable pour vous, les gens. Je suis désolée, je vous abandonne un peu. J'espère que vous êtes en mode créatif. Et que vous voyez un peu le processus. C'est exactement ce que je faisais quand je tournais mes Plan With Me. Non, c'est pas exactement ce que je faisais. Je me mettais un livre audio parce que à un moment donné, voilà quoi. Et je m'interrompais parfois, etc. Mais j'évitais parce que sinon ta luminosité change, tes raccords changent, etc. Et puis j'étais toujours un petit peu découragée à l'idée de devoir faire le montage après. Franchement, j'étais là en mode, oh, je vais avoir autant d'heures de montage après. Ça me désole. Et en ce moment, je ne suis pas présente sur YouTube, mais c'est juste à cause du montage, quoi. Honnêtement, je sais que ça va me revenir, vous en faites pas. Mais si je me force, je vais me dégoûter. Donc voilà, j'ai des vidéos qui sont tournées, hein. J'ai une vidéo qui est prête, en toute honnêteté, à être montée. Mais non quoi. Zut, j'aurais dû coller ça en dessous en fait. Alors, quand on fait du caca comme ça, l'avantage de la colle en tube, eh ben, c'est que ça se décolle, hein. Et tada! Alors, ça manque. Ça manque de washi, comme d'habitude. On va reprendre celui-là qu'on va à nouveau redéchirer. Je sais pas où je peux le mettre, ça. Si j'avais pas un endroit où je pouvais mettre un peu de. Ah, ben là, comme ça. Hop là. Toujours revenir en arrière. Vous dites qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Je sais pas. Je vais le poser, le coller un petit peu sur le côté. Je vais reprendre quelques stickers là. Franchement, cette petite planche de stickers là, ces trucs avec les washi tape, ça me sauve la vie. Pour Madame Taylor. Ah ouais, je vais en mettre un So Long London, franchement. Parce que bon. Trop triste cette chanson So Long London.
My God. Non, on va faire comme s'il y avait un. Quel album quand même de Torture Poet, The Pratman. Je suis juste. Je suis juste épatée parce qu'elle nous a créé là, parce qu'elle nous a concocté avec son truc. Faudrait peut-être que je mette d'abord du washi tape, non? Serait peut-être un petit peu plus joli. Celui-là, je l'ai mis de travers. Est-ce que. Enfin, je l'ai. Il fait trop droit, je l'aime pas comme il est mis. Oui, j'ai réussi à l'avoir. Ah ouais, je vais réussir à mettre ça là, ça donne pas mal ça. Hop. Pas de forcer pour les vidéos, c'est trop gentil de me le dire. En vrai, voilà, je me connais maintenant depuis 7 ans sur YouTube. Vous allez dire, ça fait 7 ans et t'as pas plus d'abonnés que ça? Ben non, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, ça me convient bien, hein, c'est sympa aussi d'avoir une petite communauté. Au moins, je stresse pas quand je fais des. Quand je fais des streams comme ça avec vous. Je sais que tout va bien se passer, qu'il n'y aura que des gens gentils. D'ailleurs, je recherche des modérateurs supplémentaires. Diana m'a déjà dit que ça l'intéressait. S'il y en a d'autres qui veulent bien être modérateurs, parce que Adeline, elle ne sait pas être là tout le temps. Ce que je comprends totalement, quoi. Mais si j'ai une petite réserve, vous voyez, comme ça, de modérateur, moi, je me sentirais aussi un peu à l'aise, quoi, comme ça. Il est peut-être trop blanc, lui, pour le mettre là. Je devrais prendre le beige. Et j'ai fait tomber je sais pas quoi. Mince. Ah, j'ai fait tomber un washi tape. Plus, c'est celui que j'utilise. Ah! Vous avez vu la belle tête que je fais pour ramasser des trucs? Attention. Salut. Ok, voilà. Du coup, il me faut l'autre de Taylor. Du coup, j'ai recoupé l'autre pour rien. Il faut que je recoupe celui-là. Et ma foi, est-ce que j'ai besoin encore d'un autre truc? Je crois que c'est tout, non? J'ai mon pince intelligent. Je vais mettre ça là comme ça. Faudrait que je mette quand même un petit peu de référence à la musique ici. Donc, on va mettre un vinyle. On va mettre. Où est-ce que je peux. Ah, je vais mettre le vinyle là, comme ça. J'avais pas un bout de vinyle qui me restait. Ah non. Je l'avais déjà utilisé. Donc on va en mettre un comme ça. Là voilà. Et. J'ai pas écrit mon titre en fait. J'ai pas écrit ce que c'était cette page. Voilà que je m'en rends compte. Bon, en même temps, je le sais, mais. Je vais mettre l'encre comme ça là. Ok. C'est pas mal, hein. C'est pas mal chargé. Là, vous avez du doré, vous avez un reflet. Du coup, là, c'est tracker. Je sais pas comment je l'écris, mes trackers. Lui, il m'embête, en fait, cet autocollant là. Oh mince, le papier est déchiré, je suis obligée de le laisser. I don't know. Est-ce que je le réécris comme le pense intelligent ou comme le planning? Ou je peux faire. Non, je vais faire avec les. Je vais faire avec les tampons, mais donc du coup. Alors, R. On est reparti. C'est le truc qui m'aura pris le plus de temps, je pense, c'est de trouver mes. Mes tampons. Le A, donc TR, le C, ok. Bon, maintenant le K. Le K, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne vois pas pourquoi il serait là. Le E. Le R, je l'ai déjà, donc il me manque juste le K.
Le cas est demandé à l'accueil. Viens près de moi. Je suis pas convaincue par cette page en fait. Je suis moins enthousiaste que pour ce que j'ai fait avant, malheureusement. Ah bon, c'est toujours comme ça hein, quand vous faites du bullet journal. Il y a toujours un moment où ça foire un peu, hein, on va pas se mentir. Du coup, je vais faire tracker. Si je mettais tracker comme ça, ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire tracker ainsi. Oups. On sent la joie d'utiliser les tampons. En vrai, quand je vois les autres les utiliser, je suis à chaque fois là en mode, ah, c'est trop beau, je devrais beaucoup plus souvent utiliser les miens. Et puis quand je les utilise pour un truc, je suis là, je dis, ah, c'est pour ça que je les utilise pas. Ça prend la blinde de temps. Je vous dis, en fait, ils sont trop petits. J'aurais des grands, ils tiendraient mieux dans ma boîte. Et j'aurais pas. Voilà, je les utiliserai peut-être un petit peu plus. Ah, j'ai chiffé en plus. Tracker, il est où le R? Attendez, il est juste à côté, mais il faut que je le retrouve. Voilà. J'ai des mains trop grosses pour faire ça, vous voyez? Hop là. Tracker. Voilà. Et du coup, il n'y a pas. Pff. Il manque un truc là, mais je sais pas quoi. Je sais pas ce que je peux mettre. Il y a du vide. En même temps, c'est bien qu'il y ait du vide, non? De temps en temps. Je me dis que la bordure là de l'image, elle est un petit peu trop. Trop franche, j'aurais dû découper comme ça en fait. Ça aurait été plus beau. Bon, faut être vu, faut être eu pour être appris, hein, voilà, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas mal. J'aime bien cette partie-là. Ouh, pardon. Je sais pas pourquoi j'éternue comme ça. C'est pas trop mal, franchement. Allez. Quand on regarde. Tadam! Franchement, cette page-là, elle est assez sympa. Voilà, comme ça, le chairman. Le pense intelligent. Là, j'ai mon tracker. Après, ce que je m'étais dit, ça aurait été bien de faire aussi des, vous voyez, des dossiers, des petites enveloppes. Etc. Je pourrais faire ça pour mes semaines, mais je sais pas comment le faire. Parce que là, il y a combien de semaines au mois de mai? Reprenons là. On est ici. Donc ça me fait. On est là. On est là. Disons, on est là. On est au 6. On est là. Donc 1, 2, 3, 4. Ça me laisse 4 semaines. Et en fait, pour mes semaines, ici, clairement. Faudrait que je fasse des onglets de dossier. Parce que c'est ça, c'est les files, comme elle dit. C'est maintenant que je suis en train de me le dire. Oh, mais ça veut dire refaire des Dutch doors, etc. Oh my god. Ah, mais là, je peux faire le premier, en fait. C'est pas un problème. Oh, j'aime pas faire ça. Enfin, je sens que je vais foirer le truc. Dis-moi, si vous me voyez faire une erreur, vous me le dites. Donc, vous voyez, on va faire un premier petit onglet ici. Si je me faisais un gabarit, tout simplement, d'abord, hein, ce serait pas beaucoup plus facile. Je dis ça, je dis rien, hein, mais. Le 2 cm. J'ai plus de petites lattes, ça m'énerve, ça aussi. C'est beaucoup mieux quand tu as des petites lattes. On va faire 2 cm et demi. Non, oh non, ça va pas du tout ça. J'en ai pas fait dans mon bullet journal déjà des trucs comme ça. Non, j'ai pas fait dans celui-là. J'ai fait dans l'autre là. Attendez, je reprends mon ancien. Je regarde comment j'avais fait. J'en ai fait là. Voilà. Bon, on va reprendre ça, hein. Faut pas s'emmerder. On va recopier. Parce qu'à un moment donné. Quand tu t'es déjà amusé à tout mesurer, j'ai envie de te dire. Voilà. I have the gabarit. Oups.
En vrai, Taylor Swift, c'est un bon truc de bullet journal. Parce que comme elle a ses 11 albums, là, tu peux te faire du Taylor Swift pendant 11 mois. Franchement, franchement. Attends, qu'est-ce que vous me dites? On sent la joie d'utiliser les tampons. Grave, il y a Diana qui se marre. Si elle ne les fait pas passer par la fenêtre à la fin du stream, c'est une victoire. C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans mon bureau, donc je pourrais pas. En vrai, c'est très beau. En vrai, vous êtes gentil. Franchement, cette page-là, je suis pas convaincue. Voilà, c'est toujours mes pages d'objectifs et de tracker que j'aime le moins. Ça passe. Franchement, ça passe. Je suis très contente de la couf, en vrai. Donc, du coup, comme on est sur un album avec The Chairman là, et le bureau des poètes disparus. C'est vrai que j'aurais pu imprimer des bureaux en fait. En vrai. En vrai, j'aurais pu. Là. Et voilà. Donc, mon premier onglet. Le voici, le voilà. Il est là. Et là, on coupe. Coupe plus ou moins droit, hein. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je dois reporter 7. 7. Donc là, il y aura mon deuxième onglet. Et voilà. Ok. Donc là, je vais commencer l'autre. On est d'accord que là, c'est ma semaine actuelle. Attendez, il va falloir que je fasse. Donc, on est à la semaine actuelle du 6 au 7, donc du 1 au 5. J'ai pas dans mon bullet journal puisque j'ai rien écrit, c'est pas grave. Donc là, c'est du 6 au 12 mai. Ok. Là, après, ce sera du 13 au 19 mai. Voilà, jusque-là, ça me semble logique. Et là, j'ai pas fait un repère. Non, j'avais pas fait un repère. Ok. Alors, vérifiez bien toujours que vous tournez une seule feuille. Regardez là, j'avais failli faire une erreur. J'ai tourné deux feuilles. Du coup, là, mon petit truc, il est là. Et donc 6, 12, 13, 19, donc du 20 au, je ne sais plus combien, du 20 au 26, c'est logique ça? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, oui c'est logique, ok. Et alors, donc là, on aura... Oh là là. Le truc comme ça, là. Ok. Et donc là, c'est du 21 jusqu'au 31, mais je mettrai aussi les deux derniers jours de juin là. Ok. Du coup, j'ai encore là. Je vais prévoir quand même, comme j'ai encore de la place, des onglets en plus. Parce que ça sert à rien. Vous voyez, dans le pire des cas, si je dépasse, comme ça, j'ai encore mes pages qui sont prêtes. Et là, j'aurai le dernier. Et là, j'ai plus assez de place. Oh, je vais m'arrêter là, tout simplement. C'est pas grave. Il n'y aura pas de dernier onglet. Ok, bon, alors, j'ai fait mes petits repères que vous ne voyez pas au crayon. Maintenant, c'est le moment un peu flippant où il va falloir
Mais il va falloir couper, les gars. Et en fait, j'ai pas pensé. Maintenant que je rajoute un onglet ici, il va falloir que je coupe ma page ici aussi. C'est pas du tout flippant. Donc en fait, il faut que je coupe tout ça. Voilà. Faut que je coupe tout ça et ça aussi, du coup, parce que sinon on va pas voir les autres onglets. Donc bah allons-y. J'adore découper de la main gauche. Faisons ça. En vrai, c'est très beau, mais ça j'avais déjà lu. Mon fils l'adore. Je sais plus de quoi j'ai parlé. Je sais pas, je sais plus de, je sais pas qui ton fils adore du coup. Mince. Et heureusement sauvé par la non-fenêtre, clairement. Je sais plus avec qui je parlais des travaux de ma maison. Et je vous ai déjà dit, hein, quand j'ai acheté la maison ici, je me suis dit la première chose que je ferais quand j'aurais récupéré des sous, c'est percer une fenêtre dans le bureau. Ça fait 7 ans, c'est toujours pas fait. Et en fait, maintenant que je stream, eh ben, je me dis, je ne vais jamais percer une fenêtre ici. C'est l'avantage, en fait, la lumière ne bouge pas. Alors, je vais changer mes lampes à un moment donné pour que vous ayez plus tout le temps les ombres là, parce que là, clairement, il y a l'ombre de ma caméra, c'est un petit peu embêtant. Mais non, ça me fait un petit studio là. Et du coup, je vois pas le temps passer non plus quand je suis dans mon bureau, c'est ça qui est bien. Je peux me mettre à travailler et je vais travailler encore et encore et encore. Et je vais pas me dire à un moment donné, mince, le temps passe, je vais rater la lumière du jour ou quoi. Bon, alors ça, c'est le moment délicat aussi. Effacer tes coups de crayon sur ton onglet. Et voilà. Voilà comment on fait un petit onglet. Du coup, on est reparti pour ici. Allez. Moi, j'aime bien quand même retracer ma ligne pour savoir où je coupe. Parce que même si tu as tes petits. Je vais tout faire. Même si tu as tes petits carrés là, hein, je trouve que tu vas moins droit. Pourquoi j'en ai fait deux sur cette page-là? Ça n'a aucun sens. Mais bien un mag. Y a personne qui me dirait que j'en fais deux sur la même page. Sérieux. C'est là que. Et si je voulais vraiment, vraiment être raccord, en fait, j'aurais décalé tous mes onglets, j'aurais refait des onglets plus grands. Mais bon. Bon, ça me convient que ça tombe pas super super juste, c'est pas grave. J'ai fait d'autres erreurs là dans mon bullet journal. Je suis dans du détail là parce que selon moi j'ai déjà fini ma mise en place. Hein. Je vais loin là pour vous franchement. Juste pour faire ces petits trucs là. My God. My God. Je suis désolée, vous entendez mon GSM vibrer. Je sais pas. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les conversations. Oh. Oh. J'ai une amie qui est en train d'écrire son journal de grossesse. Et elle a écrit mon prénom dedans et je suis tout émue. Je suis émue et honorée. C'est tout chou. Et donc du coup, non, il n'y a rien de très très urgent, mis à part ça. Ok, ça je peux lire après. Bon, bref, redécoupons ça. J'espère que je ne me suis pas plantée. Faut prier pour pas s'être plantée. Quand tu fais des Dutch doors comme ça. Ça passe ou ça casse. Puis il faut bouger tout aussi. Ça va, en fait, là j'ai mes ciseaux, mais en fait j'ai des ciseaux trop grands pour ce que je fais. Je vais reprendre des plus petits ciseaux.
Oups, voilà. C'est des ciseaux comme ça qu'il me faut, tout simplement. Parce que là, j'ai arraché le papier et ça se voit à fond. Du coup, c'est pas beau. Mince. Là. My God. Allez, plie-toi bien. Sinon, tu peux tourner le journal comme ça. Ça ira beaucoup mieux pour découper. Oh, purée. La fille qui a pas de représentation dans l'espace, là. Est-ce que ça tombe juste, ce truc? Attendez, parce qu'on n'a pas vérifié. Oui, ça tombe juste et ça va bien donner. Oh, yeah. Là, là, oui, ça tombe juste. C'est bien là que je dois découper. N'hésitez pas, quand vous faites un truc de ce style, à revérifier au moins deux fois. Vous sentez la déconvenue. J'ai déjà essayé des trucs comme ça et où j'ai mal découpé le bidule, le bazar. J'avais pas bien tracé mes. Bon, clairement, quand je commence à chantonner comme ça, c'est que je commence à en avoir marre. Je le dis d'ailleurs à mes élèves. Alors, je ne chante pas en secondaire. Parce qu'on n'a pas non plus envie de se faire victimiser, hein, d'être victime d'un zélage. Mais en primaire, ça m'arrive. Et je leur dis, je commence à chanter ce que vous m'énervez. Et qu'il faut arrêter. Et bien entendu, ça les fait beaucoup marrer et ils continuent à m'énerver. Yops. Ok. Tout ça pour ça. Franchement, tout ça pour te faire des semaines dans ton bullet journal. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont en train de regarder, qui sont en train de se dire, nom de Dieu, se complique la vie, cette meuf. Clairement. Mais bon, c'est Taylor Swift, quoi. Et donc, je disais, franchement, Taylor Swift, je pense, l'année prochaine, parce qu'on va pas se mentir, elle aura sorti un 12e album d'ici là, je crois que je ferai un bullet journal sur rien que Taylor Swift, vous voyez. Un album par mois. Ça va être trop bien. My God. Ça en ramènera des abonnés, je sais pas. Dit-elle. Ok. Ok. J'arriverai peut-être quand même à faire mon mois de juillet là-dedans. Ouais, j'aurai le temps. Ah, je ferai peut-être même bien. Peut-être que j'arriverai à faire le mois d'août également dedans. Trop bien. Peut-être, peut-être. On va voir. On va voir. Donc, dernier onglet, dernière petite découpe. Et puis après, je pourrai tout gâcher en gommant mes coups de crayon. Vous verrez. Vous verrez que je vais foirer le gommage et que mon onglet, il va se retrouver arraché ou défait. Là, voilà. Carrément des vocalises. Petit coup de stress. Il te faut le pochou carnet MDR. Ah, c'est, ouais. Après, je comprends totalement les gens qui l'achètent, mais je pense que je me sentirais vraiment bridée dans le pochou carnet. C'est comme tout est déjà défini, etc. Voilà. C'est l'avantage du bullet journal, c'est de pouvoir créer vraiment de la façon qui t'intéresse et tout. Et franchement, c'est un super outil pour les gens qui ne se sentent pas à l'aise et ainsi de suite. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, le Pochou Carnet, c'est un bullet journal qui est déjà pré-rempli. Vous avez déjà les templates en fait pour vous aider. Et c'est par Pochou Doodle Pauline. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux. Parce qu'elle est très très créative. Elle a un univers aussi bien particulier. Très très coloré, avec beaucoup de créations, beaucoup de dessins et tout. Elle a un talent de dingue. Franchement, elle a un niveau que moi j'ai pas, hein, en toute honnêteté. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous voulez vous lancer dans le bullet journal, voilà. Il y a aussi, tant qu'on est en train de parler des créatrices, le Bujo Bruxellois qui a sa formation bullet journal. Et donc, si vous, c'est plutôt d'apprendre à créer un truc, vous voyez, de A à Z comme je suis en train de faire,
Et ben, sa formation, ça vous donnera tout ça. Voilà, alors mes onglets sont faits. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Carrément des vocalises et tout. Ben, en vrai, pourquoi pas, t'auras plus qu'à faire des stickers sur chaque album. Ouais, c'est ça. Pour franchement, les Taylor Swift, pour chaque, voilà. Alors, ce qui serait bien, vous voyez, elle a sorti plusieurs versions de son album. Moi, j'ai déjà tout utilisé. Donc. Ça a du blanc au noir en passant par le beige. Mais donc, j'ai pas 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'ai trop d'onglets, non? Ben non, il y avait 5 versions de l'album. 2, 3, 4, 5. Non, 4. Attendez, ça me demande une petite recherche. Torture Poet Department. 5 versions ou 4 versions? Versions. Alors l'idée ce sera de colorer. Il y en a quatre. Mais il y a un transparent aussi qui est sorti. Donc en fait, il faudrait que j'en laisse un blanc, un beige, un gris, un noir. Et normalement il y en a un transparent. Comment je pourrais faire un truc transparent? Comme ça. J'ai eu un vinyle transparent en fait. Putain, il y a moyen que je le fasse. Que j'utilise le PVC là pour faire du transparent. Bon, du coup, donc le blanc, on va. Attendez, c'est dans quel ordre? Le blanc, on va le laisser blanc. Ensuite, on va prendre le beige. J'ai un gris aussi. On va prendre le gris. On va prendre le noir. Merci les collines. Alors, on va se prendre un truc pour bien protéger. Hein, parce que l'idée. Attendez, non, je vais faire le transparent. Le transparent, je vais le faire là. Non. Non, parce que c'est celui que j'ai le plus manipulé. Donc, ça, le blanc, il va rester blanc. Ici, donc. On va se faire. Bon, attendez, parce que quand vous voulez colorer des onglets, il y a beaucoup de trucs à faire. Déjà, vous mettez une feuille en dessous. Voilà. Ensuite, vous vous mettez un washi tape pour ne pas dépasser. Voilà. Et donc, on va commencer par, j'ai dit, du beige. Là, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, vous redécollez ça. Youp là. On va faire pareil de l'autre côté. My God, ce qu'il faut pas faire. Ouais, après, j'aurai fini. Hein. Franchement, j'irai pas plus loin dans mon bullet journal ce soir. Je pense que je vous aurais montré quelques trucs. Bon, tout mon mois de mai est prêt au moins, mais voilà quoi. Je devrais faire des trucs comme ça, un réel, où je vous demande de noter. Merde. Pardon, j'ai juré. De noter mon planning. Alors, pourquoi j'ai juré? C'est parce que mon washi tape a collé à la feuille. Bon, ça se voit pas trop là. Je pense qu'à la caméra, ça se voit pas. On va dire que c'est sauf. Ça, c'est quand vous prenez des washi tape de Kakia de chez Action. Normalement, le washi tape, ça se colle et ça se décolle tant que vous voulez. On n'a pas ces trucs-là. Là, que j'en reprenne un neuf à chaque fois. Là, voilà. Alors, là, on met. Oups, là, pardon. Le gris. Mince! Voilà, elle est réapparue. J'aime bien ma petite webcam, mais alors, elle coûtait 20 euros. Et dès que je touche au câble, il n'y a plus. Elle est en PLS. Faut pas que je touche au câble de la webcam, les gens. Alors, mon gris là, il est très 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 léger. Bon, ça le fait. Ça le fait. Ça, clairement, c'est pour le kiff, hein, ça. Parce que qui, à part moi, va savoir pourquoi j'ai mis du gris, etc.
Bon, faut que j'arrête de chipoter avec ce washi tape là parce que ça colle. Je vais prendre celui-là. Hop. Parce que j'arrache le papier à chaque fois. Et c'est pas le but, j'ai envie de te dire. J'ai peut-être moins le coller en fait. Là, toujours du gris. Ok. J'ai à nouveau touché le... Je viens de vous dire, faut pas que je touche le fil de ma caméra et voilà. Ouais, alors Nina, elle nous parle du pochou doodle, il n'est pas daté, oui en effet. Voilà, de créatrice formidable. Franchement, là-bas, un travail de fou malade, Pauline. Je suis à chaque fois épatée. Où tu fais un mois un artiste que t'adores. Ouais, trop. Tu mets du scotch double face sur le bout de plastique. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, t'inquiète. Je vais mettre du washi tape, hein, ça marchera. Donc, après le gris, eh ben, je fais la version noire. Et c'est là que ce mois-ci, elle va nous sortir l'anthologie, tu vois. Encore en 4 exemplaires. En vinyle, je sais pas. Et que donc, du coup, mon truc sera plus juste. Yops. Mais c'est le petit détail. Vous voyez qui va tout changer en fait, ces petits onglets. Et au moins, je sais aussi que mes semaines, elles sont prêtes. Et donc, je vais écrire d'office dans mon bullet journal. Surtout que moi, mes jours, enfin, j'écris juste le. J'écris mon jour avec un Unipen Brush Pen. C'est ce que j'ai fait au mois d'avril. Et puis après, je note avec. L'Unipin, c'est toujours Unipen, mais en 0,8 ou mon micron. Et puis voilà, ou alors mon stylo lamé. Ok, bon, ça donne pas mal quand même ça. Hein. Ça pourrait être plus blanc, mais j'ai rien pour faire en blanc. Du coup, pour celui-ci, déjà découpé comme ça. Là. Donc l'idée. C'est de refaire comme ça un truc. Je sais pas. Au crayon, ça marquera pas de toute façon. Quoique, non. Non, on voit rien. Tu vois, si ça. Je vais faire comme ça. J'ai un indélébile, mais il va être trop gros mon indélébile. On va essayer. Ouais, en plus il pue. Bon, du coup, faut que je découpe ça. Là. Ah, il n'aura pas exactement la même tête. La même tête que les autres, je pense. Je pense pas. Alors lui, je peux le couper. J'ai fait des traces noires en plus dessus. Là, voilà. Ça, c'est la poubelle. Et alors là, je vais pouvoir lui le coller. Le coller comme ceci. J'ai mon carnet en fait qui est pas droit. Mes pages tombent pas juste. Ok, on va le mettre comme ça et je pense que je vais le maintenir en attendant. Écoutez. Ah non, je suis bête.
faut que je mette mon truc beaucoup plus haut. Là. Voilà, pas bouger. Bouge plus. Non! Je t'ai dit de plus bouger. Là. Vous allez me dire, mais t'as un gros washi tape là, mais je vais en mettre un. Je vais décorer. Tadam! Tadam! Ça donne! Ah, vous voyez rien, forcément, il est transparent. Enfin, si vous voyez le bout de mon. Il y a un peu de marqueur noir encore dessus. Mais enfin, vous voyez rien, je pense, à la caméra. Mais voilà, voilà, mon bullet journal est prêt. J'aime bien, c'est joli, merci. Diana, tu penses prendre le pot de chou carnet du coup? Je ne reprendrai pas, non. Ok. À vous discuter entre vous, c'est cool. N'oubliez pas que il y a des carnets à gagner bientôt dès qu'on a les 1000 abonnés. Sur Instagram et sur YouTube, il y aura des concours pour les deux. Du coup, voilà, je pense. Et je vais autoriser le commentaire de Diana. C'est exactement pour ça que je le prends pas, Diana. Attendez, je me remets là un petit peu. Et puis je vous remontrerai mon carnet en entier. J'aime bien, c'est joli. Ça, j'avais lu. Et donc, Diana, tu dis que tu penses pas reprendre le pot de chou carnet ou le pot de chou bugeot. Je sais pas si c'est le même, en fait. Je pense qu'elle a deux carnets, non, Pauline? Ça m'a trop bridé, mais j'ai bien aimé l'expérience. Je le conseille pour des personnes qui commencent. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que c'est parfait pour les gens qui commencent ou qui ont besoin d'être un petit peu guidés, etc. C'est cool. Mais moi, voilà, je fais du bullet journal depuis 2015. Fin 2015. Donc bon, à un moment donné, je veux bien tenter, pourquoi pas. Mais voilà, vous voyez, je m'en sors pas trop mal quand même. Alors, c'est fait à la mort moelle nœud parfois. Et j'avais dit 2 heures pour faire mon bullet journal. Honnêtement, j'avais fini il y a 15 minutes. C'est parce que j'ai fait mes onglets pour les semaines. Donc, je suis assez contente. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Est-ce que je vous... Attendez, je vais enlever tout l'accessoire de la caméra pour pouvoir zoomer. Là, comme ça. Ça, vous n'avez pas besoin. Mon bras non plus, vous avez... Oula, oula, j'ai pas appuyé au bon endroit. Mon bras non plus, vous n'avez pas besoin. Là, voilà, comme ça. Et je vais vous le mettre le plus grand possible. Voilà. Là, je pense que vous voyez peut-être un peu mieux. J'espère. Oh, merde. Attendez. Devinez qui n'a fait le câble. À chaque fois, il faut que je reconnecte et que je reconnecte la caméra. Voilà, elle arrive. Elle arrive. Vas-y, cocotte. Voilà, elle est là. Ok, bon, ça, c'est quand t'achètes des trucs à 20 euros, quoi. Du coup, voilà ma page de garde de mai. J'aime bien les petits détails. Et donc, ah, ben, elle a collé. Ah non, je peux encore l'enlever un petit peu. Donc, voilà. J'aime assez. Et si je veux un peu bouger pour qu'on voit un peu plus les... Je peux bouger comme je veux la petite carte. Recoucou Estelle. Ah, t'as eu la pub. Ok. Bah, on disait rien de très très intéressant en fait. Vous êtes parti juste au moment où j'ai perdu la connexion de ma caméra parce que j'ai poussé mon plumier, ma trousse. Et donc j'ai touché le fil de ma webcam qui a sauté du coup. Dès que je touche au fil de la webcam, franchement, c'est bien, ça me dépanne une webcam à moins de 20 euros, mais c'est pas non plus. Expérience. Du coup, je vous montrerai, ben voilà, mon mois de mai autour de Taylor Swift, puisqu'on fait des autrices chaque mois, comme vous savez. Peut-être que vous voulez revoir les autres autrices. Donc, il y avait eu janvier avec Jane Austen. Ça, vous voyez un petit peu l'évolution chaque mois. Je vais pas vous montrer toutes les pages. Ça, vous pouvez aller revoir les vidéos ou les replays. Mais comme ça, vous avez à chaque fois les pages de titre. Donc, janvier... Voilà, je voulais faire du collage aussi, mais c'est pas super bien réussi, malheureusement. Février, j'ai eu beaucoup de compliments pour février. Il y avait beaucoup de dessins, beaucoup d'éléments
de Dutch Door, d'éléments qui sortaient des pages, etc. Enfin voilà, là, j'ai vraiment tout dessiné, j'ai vraiment tout donné pour février. Mais j'aime beaucoup revoir cette page. Mars, donc Lucy Maud Montgomery. Je pense que c'est une de mes préférées avec février, qui avait beaucoup de couleurs, beaucoup de collages, c'était bien chargé, etc. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Avril, donc en monochrome, hein, ce qui m'était pas arrivé depuis des lustres. Yops. Là, et on arrive donc du coup à mon mois de mai. Franchement, j'aime beaucoup cette couverture. Cette page de couverture pour le mois de mai. Ça, y a des choses qui peuvent être améliorées, hein, bien sûr. Mais je suis assez contente. Page de planning, donc pour le mois, m'organiser. Mon pense intelligent avec tout ce que je dois faire sur le mois. Très clairement, le pense intelligent, c'est quand j'ai un truc, je me dis, ah, ça, je dois faire ce mois-ci. Mais je sais pas le mettre dans ma journée, mais ça, tous les jours ou tous les 2 jours, je reviens à cette page et je regarde un peu ce que je dois faire. Du coup, ça, c'est ma double page que je préfère le moins. Après, il faudra voir une fois qu'elle sera remplie, si ça tombe, si ça tombe, elle sera beaucoup mieux. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est cet autocollant. J'aurais dû découper là comme ça. Et tout de suite, ça m'aurait beaucoup plus plu. C'est juste ça. C'est trop carré. Bon, c'est comme je vous dis, les pages d'objectifs, de tracker, c'est toujours mes pages où j'ai le plus de mal. Et puis donc, bah, on entame mes semaines. Et donc là, j'ai encore rien écrit. Voilà. En fait, je peux faire avec vous mon lundi. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Donc, ce que je vais faire chaque jour. Donc, je vais écrire. J'écrirai en brun mes jours-là. On est toujours le 6. Lundi 6. Et alors, donc, je note mes. Au stylo noir, soit avec mon Lamy Safari, soit avec un une pin. Donc, il y avait d'abord la balade de Cali. Mon encre est un peu séchée. On voit que j'ai pas travaillé avec cette semaine. Je suis peut-être au bout, en fait. Oui, il ne reste pas grand-chose. Je suis à la fin de la cartouche. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi? Ben, il y avait le Plan with me. C'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, en toute honnêteté, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des lessives. J'ai été très chill aujourd'hui. J'ai cuisiné, etc. Voilà, c'est tout. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Par contre, je vais essayer d'être beaucoup plus productive demain. Donc, mardi 7. Donc, tout ce que je voulais faire aujourd'hui que j'ai pas fait parce que je l'avais pas noté, eh ben, on va le mettre. Février, mon préf dans ton bullet. Ah, c'est gentil. Après, le dessin, il n'est pas de moi. Hein. J'ai recopié, hein, je rappelle. Ils sont tous très beaux. Janvier, elle m'a réussi, hein, en toute honnêteté. Janvier, elle m'a réussi. Mais c'était la première fois que je faisais des autocollants comme ça pour ma machine, etc. Donc maintenant, je maîtrise mieux. Je préfère mars, mais j'adore le collage. Mais oui, tous les mois sont beaux. Akashana, tu as une chaîne sur YouTube également. Non, mais elle a un compte Instagram si tu veux. Profitez au soleil. Alors, le soleil ici. Comment te dire? Alors, demain, par contre, j'aimerais bien faire 2 balades avec Cali. Donc, il y a tester le pack de ressources en anglais. Je dois tester un nouveau produit pour une créatrice, mais c'est pour les profs, donc je ne vais pas vous en parler ici. Donc j'ai mes corrections pour les 3 GB. Je dois faire mes corrections pour les 2 C, mes corrections pour les 1 C et mes corrections pour les 4 Q. Et alors je dois lire les travaux de fin d'études. Et donc là j'en ai 1, 2, 3. Donc demain j'ai une grosse journée. En plus de ça, il faut que je fasse les photos Insta du bullet journal. Photo Insta Bujo. Donc j'aimerais bien vous les sortir demain. Et tourner un réel.
Pas bujo, mais tournée réelle, voilà. Bon, bref, j'ai du boulot demain, en fait. Ah oui, il faut que j'envoie un mail à mes collègues. Nous, dit Doom, ça va être une longue journée demain. Et là-dedans, j'aimerais bien caser. Oh, il faut que j'aille faire les courses. Ok, je ne saurais pas faire tout ça demain. Courses, ça c'est urgent. Parce que j'ai plus rien à manger. C'est la priorité. Ah, et attendez, j'allais oublier le Read With Me. Ok. Bon, très clairement, j'ai noté toutes mes corrections. Je ne finirai pas demain. Hein. Y a rire, quoi, vous voyez. Clairement, je devrais les migrer au mercredi. oui, je te suis. J'ai eu aussi que de la pluie, vivement le soleil. On a eu du soleil fin de journée. J'ai quand même pu me mettre sur la terrasse à la fin de la journée. Reproduction des dessins. Prévoir un stream avec Diana. Ouais, je sais, Diana. Mais je serai pas là samedi prochain à nouveau. J'aurais mis un gros rouge manger. T'inquiète, ça, je vais y penser. Enfin, donc voilà. Et donc après, je tournerai mes petits onglets. Ça, c'est facile, par contre, ça, c'est vrai. C'est pas vraiment du Dutch Door, mais le fait d'avoir ces onglets-là. Et alors, il n'y a que les fans, je pense, qui sauront pourquoi j'ai mis des. Vous voyez, des onglets de couleur comme ça. Je sais pas comment je ferai pour montrer le transparent en photo. Mais je suis trop contente de ce petit truc. En vrai. Et donc voilà. Bon, je vais vous retrouver face cam. Talam, je suis contente que le stream se soit bien passé. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas eu d'anicroche technique, etc. Et alors, mes planches de stickers qui me restent. Donc par exemple, il me reste ce dessin-là. Celui-là, typiquement, c'est une image que je vais pouvoir mettre dans mon carnet de lecture. Et celle-ci, en fait, je vais pouvoir les découper, pourquoi pas, et décorer mes semaines avec. Et pareil, en fait, avec celle-ci. Ça habillera assez bien. Je pense que je vais redécouper avec ma rogneuse pour pouvoir les glisser dans la poche soufflet à la fin de mon bullet journal. Voilà. Donc, je suis assez contente, mes filles. J'espère voilà, j'espère que c'était intéressant quand même pour vous de voir ça. Je pense que vous connaissez mon processus. D'organisation maintenant, de création hein, de pages de bullet journal, puisqu'il y en a qui me suivent quand même depuis quelques années. Et comme je vous ai dit, je fais du bullet journal quand même depuis pas mal de temps. Donc ça commence à être une histoire qui roule, quoi, tout ça. Le seul truc un peu moins cool du bullet journal, c'est qu'après, il faut ranger tout. Donc pendant que je cause avec vous, je commence déjà. Vous voyez, tout. Je vais vous en faire gagner aussi des des washi tape lors du concours. Parce que my god, dites aux gens que vous connaissez d'aller me suivre sur Instagram et sur YouTube. Parce que my god, il y en a des trucs que j'ai achetés. Je me suis dit, vous voyez, typiquement quand j'ai acheté cette boîte de washi tape là, je me suis dit, ah, il y en a 7 quoi. J'ai pas besoin des 7, mais je voulais les deux que j'ai utilisés ici avec vous. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu feras gagner des rouleaux aux gens quand ce sera le moment du concours. Oula, j'ai tout fait tomber. J'ai voulu ranger, j'ai pas réussi à ranger les trucs. Voilà, que ce soit dit, j'ai voulu ranger, mais c'est pas rangé. Et donc, j'ai trop trop hâte pour ces concours. Purée, je sais que je vous en parle à chaque fois, mais. Voilà, pour le moment sur les réseaux sociaux. Bon, déjà sur YouTube, je peux pas gagner d'abonnés parce que je sors pas de vidéo. Hein. voilà, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre sans rien faire. Mais my God, my God, my God, trop trop hâte. J'espère que le mois de mai, ce sera le mois des concours, vraiment pour vous. J'espère que je vais pouvoir vous faire gagner des trucs parce que ça commence à être prêt quoi ici. Comme tu faisais une liste, je voulais t'aider. Je l'oublie pas. Franchement, Diana, je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Mais là, déjà, je me suis dit, cette semaine-ci, je fais 3 streams, puisque je savais que j'allais faire le plan with me. Idéalement, j'aurais dû le faire dimanche soir, hier soir. Attendez, attendez, je fais du bruit, hein, ça va devenir ASMR ici. Yep là. Donc, je ne t'oublie pas, sache-le.
Mais déjà, il faut que je te demande tes disponibilités et puis que je regarde. Puisque déjà, les mardis soirs, ben non, c'est lecture. Jeudi soir, c'est lecture à nouveau. Donc, il reste les week-ends. Et le dimanche, je me dis, dimanche, je sors déjà normalement une vidéo YouTube, donc je sais pas. Faudra faire des stickers pour ton ami avec qui tu vas au concert. Oui, après, je te dis, c'est des stickers tout bêtes, hein. Franchement, là, ce que j'ai fait. Franchement, mes planches sont pas très élaborées. Ici, c'est des images qui sont sur Canva. Voilà. Moi, j'ai la chance, j'ai Canva Pro. Voilà. Et ici, ben, j'ai utilisé Google Images. Voilà. Donc, c'est clairement pas des choses que je peux commercialiser. Mais c'est top, quoi. C'est vraiment top. Et c'est pas des images, vous voyez, des trucs qui ont été créés par d'autres. Enfin. J'ai spoilé personne en faisant ça, quoi. Après, dans le concours, je pourrais faire des petites planches comme ça exclusives. Je pensais vous faire des marque-pages déjà pour mettre pour faire gagner plus de monde. Et peut-être pourquoi pas une petite planche de stickers créée par mes soins. Je vais voir, je vais faire des tests. Mais oui, vas-y, envoie-moi ton planning. Envoie-moi ton planning. Donc voilà. En tout cas, j'espère le chat que ça vous a plu, ce moment de création, parce que vous étiez quand même une dizaine de personnes à me suivre, ce qui est plus que lors des Read With Me. Clairement, ça vous a plu. J'espère que ça vous a montré aussi qu'on peut faire du bullet journal en faisant des erreurs et en étant un peu en mode panique, là, vous voyez. Je fais des bêtises. Ou en mode saoulé à cause de ces tampons ou des trucs à découper et vous êtes là, pourquoi je fais ça en fait? Mais non, non, c'est un vrai plaisir. Moi, voilà, maintenant ça c'est fait. Et je vous l'ai dit en story, mais si j'ai pas été productive cette semaine de congé, c'est très bien parce que c'est ma semaine de congé. Mais du coup, j'ai pas été productive pour vous, pour les réseaux sociaux. Et c'est ça m'embête un peu quand même. C'est parce que j'avais pas d'espace où noter les trucs. Bon, et la semaine passée, c'était quand même chaud. Puisque c'était, je vous ai dit, hein, ça. Je pense jeudi, quand on s'est vu, c'était le mariage de ma cousine, mardi passé, mais donc j'avais été l'aider la veille, et puis j'ai été aidée à ranger jusqu'au jeudi, enfin voilà, le jeudi aussi. Donc ça a pris une grosse partie, vous voyez, de ma semaine, ça. Je suis contente d'être venue, c'était trop sympa. Oh, merci, merci. Mais généralement, les gens qui viennent, ils disent qu'en effet, ils se sont bien amusés. Moi, je sais pas ce que je fais pour que vous vous plaisiez bien, mais je vais continuer à le faire, je vais essayer, en tout cas, je ne change pas. Mais c'est cool si ça vous plaît. Franchement, moi, Twitch, c'est vraiment la découverte de l'année passée. Et je m'amuse trop, quoi. Je m'amuse trop à faire des streams. Limite, je pourrais en faire tous les soirs. Mais bon, après, je pense que j'aurai plus grand-chose de très intéressant à vous raconter, quoi. Dispo tous les samedis de mai. Moi, le 18, je suis pas dispo. Le samedi qui vient, je suis pas dispo. Attends. Donc le 11, je ne suis pas dispo et le 18, je ne suis pas dispo non plus. Après, s'il y a un jour de semaine où tu es dispo, un soir, ça peut se faire aussi, hein. Donc ça nous amène au 25. Voilà. Voilà, c'est réglé. Tu peux prendre note. J'y pense jamais à Twitch, mais oui, c'est cool en effet. Oui, c'est. Mais après, c'est l'exclusivité de Twitch, c'est son avantage, c'est que c'est exclusif. Si t'es disponible et que la personne stream, voilà, t'as du contenu exclusif et éphémère quelque part, puisque d'ici une semaine, ça se sera plus dispo. Et par contre, ben, c'est à double tranchant. Si t'es pas disponible, ben voilà, tu passes à côté. Alors je sais qu'il y a des abonnés qui regardent les streams, ce que je trouve hyper chouette, c'est vraiment trop trop mimes. Mais voilà quoi. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile de caser ça dans ces semaines qui sont bien chargées, je pense. Hein. Dispo tous les soirs, nous dit Diana. Ok. Allez, je note contacter Diana dans ma to-do list de demain. Je mets message Diana. Pour qu'on se fixe une date. Moment créatif, un stream créatif. Mais du coup.
Attends, dans mon planning. Mardi, on stream. Jeudi, on stream. Ouais, mercredi et vendredi de cette semaine, hein. Non, pas vendredi, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oui, à dimanche. Mais dimanche, t'as peut-être envie de faire des trucs en famille. Bon, on va. J'ai mis message Diana. On va régler ça en privé, Diana. Diana propose un rencard. Diana va être là à l'écran. Au début des streams, j'ai fait ça. Je faisais des streams créatifs avec invités. C'est pour ça, parfois, il y a et guest. Le souci, c'est qu'il faut que je passe par une autre plateforme parce que mon ordi, là, il peut pas supporter une vidéo en plus. C'est pour ça que quand je filme d'en haut mon bullet journal, je vous mets pas ma petite tête. Parce que la machine est trop vieille, quoi. Vraiment, elle est vraiment, vraiment trop vieille. La bécane, là, avec laquelle je stream, elle a 10 ans. Et c'est un ordinateur portable. Donc, voilà, ça vous situe un peu. C'est déjà exceptionnel, franchement, que je puisse encore faire mon montage, mes voice-overs, du stream ainsi, franchement, voilà. Mais je sais pas ce que Diana nous prévoira, mais moi, je ferai, quand on se retrouvera, j'essaierai de terminer une petite maquette, parce que j'en ai acheté plein. Ça, j'avais lu. Ça, j'avais lu. Dimanche, c'est la fête des mères chez nous. De fait, je serai pas disponible non plus. oui, j'en veux pour mon argent, moi, nous dit Akashana. Pourquoi tu nous dis... Attends, t'as dit quoi, Akashana? Akashana a payé pour me voir en stream. Akashana s'est abonné. Je comprends, je comprends, je comprends. En vrai, il faut que je vous fasse des contreparties, franchement, pour vous abonner ici. J'ai des maquettes ici. Ouais, alors j'ai testé celle-ci. Honnêtement, j'ai commencé celle-ci parce que je me suis dit que j'y étais pas attachée, vous voyez. Parce que j'aime pas trop le thème. Mais voilà, je l'ai commencé, mais je suis pas beaucoup avancée. Et j'en ai acheté par contre plein d'autres. Et j'ai vu qu'elles revenaient chez Action. Non, j'en ai acheté vraiment, vraiment beaucoup. J'ai acheté des Booknooks. J'ai trois Booknooks à monter. Et j'ai des. Je crois que j'ai. J'ai trois petites maquettes comme ça. Me demandez pas où je vais les mettre, hein. Et celles-là, elles reviennent chez Action, j'ai vu, en Belgique. Elles sont de retour cette semaine. Il y a The Green Grocer et moi j'ai pris aussi. Attendez, parce que j'ai trop de trucs. J'ai aussi la loupe. Ouh, qu'est-ce qui est tombé mes aquarelles. J'ai pris aussi le bookshop. Tadam, je sais pas où je vais poser tout ça. Hein, mais voilà. Moi j'ai un booknook à construire, ça c'est sûr. Je pense qu'après ma petite maquette là, je vais construire le booknook qui me tente le moins. Attendez, je l'ai là, je vais essayer de vous l'attraper. Pourquoi j'avais pas rangé mes aquarelles dans le truc là, moi en fait? Je comprends pas. Et alors, l'autre truc aussi que je veux tester avec vous en stream créatif. C'est la reliure. Voilà, là j'ai ce bouc-nouc là. Je trouve que c'est le moins quali, c'est le moins beau. Quand il sera fini, il devrait ressembler à ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc j'ai quelques maquettes à construire avec vous là, passer des soirées avec vous. Il faudra un petit confinement en vrai. Hein. Chez Action aussi, j'avais acheté ça pour justement décorer mes reliures, etc. Mais. Voilà. Je sais pas si ce sera bien. Faudrait que je puisse le mettre dans ma machine. Que je puisse le soutenir dans ma machine de découpe, vous voyez. Faudrait le support. Ah, peut-être moyen. Soit, ou alors si je l'utilise pas, je vous le ferai gagner ce truc-là, tiens. Je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser. Voilà. Ça, ce sera un lot. Ce sera un lot du concours. Ce n'est pas financé par Action, hein, je précise. Il y aura du bullet journal à gagner, il y aura des stickers. Il faut que je me renseigne maintenant, il faut que je contacte des auteurs pour vous faire gagner des bouquins. Ça, c'est ce que je vais encore faire. Mais bon, comme ça augmente pas, je me dis j'ai le temps. Parce que si je contacte les auteurs là pour faire gagner des bouquins. Mais que le concours arrive que dans 2 mois, enfin, vous voyez, les auteurs, ça va les emmerder, quoi.
Alors, du coup. Diana, elle nous dit que ce sera une surprise ce qu'elle fera. Nina, t'as pris la version musicale. Ah, je l'ai pas vue. Je sens que je vais passer chez Action mercredi. Tu me donnes envie de voir les nouveautés. Mais j'ai vu sur l'application que voilà, ils ressortaient les miniatures. Mais moi, à chaque fois que je suis passée dans mon petit Action, il est tout petit hein, dans mon village. Il y a à chaque fois qu'une ou deux trucs. Donc quand je les voyais, je les prenais parce que je me dis c'est le genre de truc que je vais aimer faire à un moment donné, quoi. J'ai pris que le Booknook Magic, mais j'ai dû le trouver sur Vinted car indisponible chez moi. Le Magic, je vois pas lequel c'est. Attendez, je fouille derrière. Oh bah, il est où mon... Allez. J'en ai trois. J'ai le... Ça, c'est le premier que j'avais acheté. C'est le Taylor Shop. En vrai. Bon, la boîte est toute abîmée, donc je peux pas le revendre. Voilà, oh là là, ça a l'air compliqué encore ce truc-là. Ah mon Dieu, on va s'amuser avec ce truc-là. Oh, y a, même les paniers, il faut les construire. Oh là 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 là. On va être parti pour... faudra 10 streams pour en arriver à bout de ce truc-là. My gosh, je vais commencer tout de suite. Je vais finir mon autre maquette là, en fait. Je vais pas attendre Diana. Oh mon Dieu. Bon, donc voilà. Il y a de quoi faire, vous voyez. Il y a de quoi faire. J'ai pris de quoi faire. Surtout qu'en plus, j'ai des petits kits d'autres trucs que je veux tester. J'ai enfin tout mon matériel pour faire de la reliure de livres et surtout du jaspage. Donc j'ai trop trop hâte aussi de faire ça. En fait, j'ai trop d'envie créative, vous voyez. Celui qui fait Harry Potter. Mais oui, je l'ai pris aussi. Je sais pas où il est, tiens. Putain, j'ai rangé où mes Booknooks? J'en ai deux autres de Booknook à construire. Celui qui fait Harry Potter. Et ben voilà, je sais pas où je les ai rangés. Voilà, je sais pas où ils sont dans mon bureau. Oui, je suis d'accord pour un confinement créatif. Surtout que là, j'ai de quoi faire, vous voyez, j'ai tout. J'ai ma toile pour faire ma... Pour faire ma reliure, pour refaire des bouquins. Donc voilà. Bon, après, c'est pas la meilleure couleur, mais je me suis dit que j'allais peindre. Là, ça m'énerve parce qu'il n'est pas assez rangé. Il n'est pas assez serré. Ça sent les streams créatifs à gogo. Ben, oui et non, en fait. Oui. En vrai, il faut que je me dise que je fais ça avec vous. Et à chaque fois, je me sens un petit peu coupable, vous voyez, de venir dans mon bureau. Et de faire des streams parce que je me dis, ah, il y a ça qui n'est pas fait. Je devais encore faire ceci. Je devrais peut-être plutôt m'occuper de mon chien. Je devrais peut-être plutôt faire du sport, etc. Et en fait, voilà. Voilà. D'un autre côté, ça me fait du bien aussi de vous retrouver comme ça et d'être en connexion avec vous et de faire des choses qui sont chouettes. C'est juste, en fait, cette idée de maquette. Clairement, ça sert à rien, vous voyez. Et donc, je pense que toutes les femmes, on est un peu comme ça. On a du mal à s'autoriser à prendre ce temps pour un moment, juste pour soi, créatif. Et tant pis si ça sert à rien. Voilà. Tant pis. Mais ouais, je vais essayer de les mettre un petit peu plus. Surtout que là, j'ai trouvé un truc qui fonctionne pas mal. Mais il faudrait que je reprenne les streams créatifs avec des invités. C'est juste. Ouais, on va voir avec StreamYard quand on le fera, Diana, ce que ça donne. Mais normalement, je pourrais mettre ma webcam qui est là. Donc ça devrait aller. Oui, je suis d'accord pour les maquettes. J'ai eu ce ressenti-là. Je vais les mettre où? Oui, je vais les mettre où? Je vais passer combien de temps à les construire pour un truc finalement. On va pas se mentir aussi, c'est un peu kitsch ces maquettes après dans ton intérieur. Enfin, surtout celle-ci. Surtout le truc du carnaval à la fête foraine là. Qu'est-ce que t'en fais après? Je ne sais pas.
Je sais pas. Je vais peut-être aller les mettre à la donnerie ou vous proposer. Enfin, non. Je peux même pas vous proposer de la gagner parce que je saurais même pas l'envoyer. Ça risque de se détruire. On est ensemble, on est bien, on profite. Clairement, clairement, ça fait un bien fou. Et c'est un lien direct parce que bah, je vous l'ai déjà dit. Hein, mais sur YouTube, avant d'avoir un commentaire, faut déjà se lever tôt. Alors. Vous qui êtes là, je sais que vous prenez vraiment la peine de commenter, etc. Me laisser un petit truc. Mais du coup, moi, je vois le commentaire, je réponds, mais vous y revenez pas parce que. Enfin, YouTube, ils auraient dû améliorer ça. Hein. Ils auraient dû mettre une messagerie privée comme ici sur Twitch, quoi. Hein. Franchement, depuis longtemps, leur système est pas bon, je trouve. Sur Instagram, vous me contactez assez souvent en message privé. Mais du coup, c'est pas tout ensemble. Il n'y a pas de synergie qui se crée entre vous. Et donc, voilà. Ça, j'aime bien. Et j'aime bien vous voir dans le chat. J'aime bien voir le chat s'activer, vous demander des nouvelles, comment vous allez, etc. Je trouve ça excellent, quoi. Limite, j'aimerais bien faire partie du chat. Qui est quelqu'un d'autre, vous voyez. Du coup, quand je vais sur les streams d'autres créateurs de contenu, comme Eric, par exemple, je suis intenable dans le chat, quoi. Moi, je suis là, je dis, eh, ça va, etc. Parce que ça m'arrive pas. Justement, pouvoir discuter comme ça avec vous. En mode peinard, pyjama, je suis sûre que vous êtes tout en pyjama en plus. Pareil, Nina, pareil. Je te dis Nina, mais je sais que c'est pas ton prénom. Hein. Oui, pareil. Mais après, je pense, de ce que. Attends, je vais regarder, parce que j'ai l'application Action. Je pense franchement que c'est les. Que c'est les mêmes qui remettent en fait de stock, en toute honnêteté. C'était dans Nouvel Arrivage. Toi, c'était pas des nouveautés, c'était dans. Après, ici, c'est en Belgique. Hein. Donc en France, je sais pas, vous les avez peut-être jamais. Elles ont peut-être jamais disparu. Oh, allez, t'es où la petite maquette? Toujours comme ça. Tu peux toujours. Je peux toujours me mettre en pyjama, oui. En vrai, je suis en tenue très très cocooning hein, aujourd'hui, en vrai. Je suis restée en legging et t-shirt et pull, enfin, tout pour aller faire du sport. Parce que je m'étais décidée ce matin à faire une séance de yoga, à aller marcher avec le chien, etc. Mais vu que ça, mon bullet journal n'était pas prêt, devinez quoi, j'ai lu ce matin. Je suis restée à la maison. Et puis, vers 10h, je me suis dit, bon, je vais quand même aller promener le chien. Eh bien, c'était l'averse, mais la drache nationale, les gars. J'aime bien la pluie. Mon chien pas, donc je savais qu'elle allait râler. Et j'ai pas, je lui ai pas fait subir ça. Du coup, on a été se promener seulement vers 4h de l'après-midi quand il a fait enfin beau, quoi. Enfin, enfin beau. Enfin sec. Il y avait quand même du soleil. J'avais pris une veste, j'ai eu trop chaud. Donc je me suis dit quand même, c'est le printemps. Bon bah écoutez, je retrouve pas. La petite. C'est que c'est dans la semaine Action en fait alors. Si là j'étais dans les nouveaux arrivages. Pam pam pam. J'ai une chanson débile en tête en plus. C'est vraiment barbant. Je vais pas me chanter une autre petite chanson parce que j'ai pim. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Ah, ça, super agaçant. Je le fais pas bien, du coup, vous ne saurez pas l'avoir en tête non plus. Remerciez-moi de mal chanter. Carrément en pyjama et dans mon lit. Plus rien ne va avec ce temps. En vrai, moi, je suis pas encore déprimée de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dépriment à cause de cette pluie et tout. Moi, ça va. Franchement, voilà. Je suis là, c'est comme ça de toute façon. Ah ben non, je ne retrouve plus. Parce que je l'ai mis dans mes favoris. Voilà. Maison miniature DIY Craft & Co. Honnêtement, les photos, c'est les mêmes. Il y a Story Keeper. Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a une bibliothèque, en effet. Elle est belle. Faudrait que je mette la main dessus. Je ne l'ai pas, celle-là.
Il y a le ice cream parlor, ça franchement c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Il y a la serre j'avais déjà pris et failli la prendre. Ah non, il y a un bookshop, il y en a deux différentes en fait. Regardez-moi le petit bookshop comme ça, c'est trop mignon. Ça c'est beau, mais c'est pas des bouquinooks. Et il y a Story Keeper, c'est aussi une espèce de bibliothèque comme ça. Vous n'allez pas bien voir. Enfin, franchement, c'est 8,95€ pièce, donc passez chez Action. Et moi, je vais essayer de remettre la main sur mes Book Nook. Parce que je sais que je les ai achetés, j'en ai acheté deux, je sais pas où ils sont. Pub, pub, pub. Estelle est revenue. Trop beau, je sais pas si vous êtes arrivé à voir. Mais ça doit aussi être en France, quoi. Enfin, si normalement, oui, je dois passer chez Action demain. Pourquoi je devais passer chez Action demain? Je devais m'acheter un truc, je sais plus quoi. C'était important en plus, c'était un truc pour la maison. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'espère que ça va me revenir d'ici demain. Parce que sinon, ça va me poser problème. Je ne sais plus. Enfin, voilà. Oui, je devais faire les courses, mais pas chez... Enfin, toi, des courses alimentaires, quoi. J'ai prévu d'aller les faire en France, d'ailleurs. Je vais aller à Givet faire mes courses alimentaires demain. Parce que le 8, vous êtes en férié, donc je pourrai pas y aller. Ah, du coup, il y aura beaucoup de monde. Zut. Zut. Oui, non, mais j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Si, on a toujours le choix, mais. Voilà. Du coup, demain, c'est course. Et correction. Et création de contenu. C'est une grosse journée demain, franchement, ici à la maison, mais c'est une grosse journée. J'aurai pas le temps de tout faire. Clairement, j'aurai pas le temps de tout faire. Mais bon, on va essayer de faire le plus possible dans la liste qui est là. Et voilà. J'essaierai. J'essaierai. Oh oui, mercredi, c'est le bibliobus d'ailleurs. Attendez, il faut que je note ça. Bibliobus, mercredi. Trop bien. Ça sent le bibliovlog, ça. Bibliobus, surtout pas oublié. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que... Oula, on papote un peu pour rien. C'était cool. Mais je vois que l'heure avance, etc. Donc, comme je fais plus rien, vraiment super productif, je propose d'arrêter le stream ici. Je vais le mettre en replay sur YouTube. Et assez rapidement. Parce que, du coup, il y a toute ma création de contenu du mois de mai qui va découler de ce plan with me. Et donc si je ne le mets pas sur YouTube, les gens vont un petit peu se demander d'où est-ce que ça tombe du ciel comme ça. On ne sait pas. Et donc voilà. Mais comme ça, si vous voulez aller le regarder, mais vous étiez présent. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, vous savez. Vous pouvez en faire la pub autour de vous. Et j'espère que je saurai sortir demain. Les petites photos du mois de mai dans mon bullet journal, je ferai un carrousel. Je ferai pas de réel pour ça parce que j'aime bien avoir les photos. Je sais que pour les gens, je sais que quand moi je dois m'inspirer d'un bullet journal de quelqu'un d'autre et que c'est sous forme de réel, c'est super barbant parce que tu sais pas regarder, tu sais pas zoomer et ainsi de suite. Donc voilà, je le ferai sous forme de photo. Mais donc voilà, mais bonne soirée à toutes. Un tout tout grand merci d'être resté comme ça. Aussi longtemps avec moi, j'espère que de votre côté vous avez été créative et que vous vous êtes bien amusée dans votre activité créative. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Courage pour celles qui taffent demain et ceux qui taffent demain aussi. Je ne sais pas si Sam est encore là. Mais donc bon courage pour votre journée demain. Haut les cœurs. Et on se retrouve demain soir pour un Read With Me Cozy. Si ça vous tente, gros bisous tout le monde et encore un immense merci. Merci, 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 merci. Pour votre soutien, votre présence ici, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Et bonne soirée donc bah, à tout le monde. Hein. Allez, gros bisous, bye bye.